Vous êtes tous full vie? Ouais. Ok, il n'y a pas de retour, les gars. Un fail, c'est terminé. Vous savez ça ou quoi? Un fail, c'est terminé. Il n'y a pas de fail, mais tu parles à des experts. Non, non, ok, ok. Allez, venez. On va suivre tes calls. Hey, on va suivre tes calls là. On va juste moi, je t'écoute, je fais tout ce que tu me dis. Voilà. Tu vas dire, va à droite, je vais à droite, c'est tout. Ok, suis-moi, suis-moi. C'est quoi ton pseudo? C'est Banane, ouais, c'est toi. C'est Philippe Martin ou c'est Crâne Brumeux? C'est Banana, je crois, c'est Banana. Non, je suis Banana. On a pas les mêmes blagues. Non, je suis pas Banana. Ah non, moi, tu t'appelles Crâne Brumeux. Je suis Crâne Brumeux, je suis Crâne Brumeux. Ah ouais, c'est ouais, c'est toi. Vas-y, je te laisse pioter, Len. Asseyez-vous, les gars. Asseyez-vous. Ouais. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est avec les émotes. Non, non, non. Tu regardes par terre là et tu t'assois avec F. C'est qui, Philippe? C'est qui, Philippe? Philippe, c'est Len. Nickel. Ok. Les gars. Ok. On est en route pour l'infiltration, d'accord? Donc ça, c'est l'infiltration d'un fort, mon frérot. Alors. Le fort, le navire, il est AFK en train de tuer des squelettes. Ils doivent tuer un squelette boss. Une fois qu'ils ont tué le squelette boss, un coffre, ils débloquent une clé. Avec cette clé, ils ouvrent le coffre de l'île. Et dans ce coffre, il y a un coffre Athéna, le plus rare du jeu. Et environ, combien, 150 000 balles de loot, c'est ça? Ouais, un truc comme ça. Ok. Donc ce qui est pas mal, vous avez combien de thunes là, les gars? Quand ta mission échappe. J'ai 26 000 balles. Ok, tu vois là. J'ai 0, 5, 0. Ok, bah tu vois, là tu vas avoir 150 000 balles si on le fait. Ok. Ok. Ah bah faut le faire, les gars, là j'ai rien moi, hein. Je suis à sec. Ah, il a plus rien là, les gars, faut l'aider. Moi 26 000, pas, ça va vite. Vous m'avez filé hein. Un peu, rien, personne. Après, tu faut bosser. Frère, vous êtes. Ah, bah, je sais pas, hein. T'as rien fait. Même Phil, hein. Regarde Philippe Miskin, il a rien aussi. Vous êtes bien habillé, lui, il a rien. C'est normal, frérot, Philippe. C'est normal. On est des brigands, frérot, Philippe. On est des brigands. Philippe, il fait fort, il est trop riche. Okay. Donc là, le moindre fail, les gars, on est baisé. Ok. Donc là, faut pas se faire voir, faut pas foirer son émote quand on est en haut. Ok. Faut vraiment écouter ce qu'on va vous dire. Et quand il faudra fight, parce que les gars, va y avoir un fight. Quand il faudra fight, faudra rester ensemble. Ok. Mettre des bons tirs de snipe, parce que ça met la bonne pression, c'est les bons tirs de snipe. Manger tout le temps quand il faut, les gars. Rechargez vos, prenez le temps de recharger votre sniper aussi, ça fout une pression énorme le sniper, vraiment. Et on a souvent tous envie de jouer aux pompes, tu vois, pour se débarrasser très vite des ennemis, mais en team play, c'est bien de jouer au sniper, ok? Ok. Et n'oubliez surtout pas de manger, les gars, sauter partout, jouer ensemble, si on décide de jouer ensemble, on joue tous en haut, il y en a pas un qui descend. On va devoir brûler leur bateau, non? Une fois on fera tout ce qu'il faut, frérot, pour les exploser. Okay. Sache que dans le fort, il y a des barils explosifs, ok? Généralement, les gens les font péter, dès qu'ils ouvrent le fort, ils les font péter, les barils. Ok. Ils les ramènent jamais vers le bateau. Mais s'ils sont arrogants, frérot, donc ils se pensent chaud, tu vois, ils se croient chaud, ils ont envie de plus de loot, parce que quand tu vends les barils, t'as ma stune aussi. Et bien là, c'est un plus pour nous, parce que nous, on a juste à tirer dessus et leur navire, il éclate d'un coup. Sauf que si on tire sur un baril, les gars, on le fait ensemble, on colle, parce que sinon, on va TK. Le baril, non, bah, il fait vraiment. Aussi. Ah, le baril, frérot, il déconne pas. Ça fait une putain d'explosion. Ok. Allez, là, on a fait tout ça, tout cet entraînement. C'est pour maintenant, les gars. Reaper 4, Salen? Ouais. Putain. Reaper 4. J'aime pas les Reaper 4. Ça me jure. Reaper 4, ça veut dire qu'il est affiché sur la map. Donc, en gros, genre, il annonce sa position à tout le monde sur la map, mais du coup, il gagne deux fois plus d'or. C'est des vrais bonhommes, quoi. Ils ont ouais, c'est ça, c'est des bonhommes, quoi. Ou des farmers. C'est quoi cette strat? Tu dock pas? Ah, tu veux dock? Ah, tu fais comment, toi? Tu fais comment? Bah, on passe par derrière, je pense. Et puis les trains, au cas où il y a quelqu'un qui surveille le bateau. Et là, on est à l'avant du bateau? Ouais. Ok, vas-y, passe par derrière. C'est quoi normalement qu'on fait? C'est quoi la méta, les gars? Attendez, vrai, on reste dans la chaloupe, hein, je pense. Hein. Quoi? Ouais. Le mieux, c'est de pas aller dans l'eau, si vous pouvez. Pas faire trop de bruit. Ouais, sauter et direct sur le caillou. Sur les cailloux. On doit se lever là, on va attendre en fait dès qu'il y a du bruit. Ah, venez. Là, on peut se cacher. Ouah, comment j'ai la pression d'un coup là. Dès qu'il y a beaucoup de bruit, on peut y aller. Dès qu'il y a beaucoup de bruit, on y va. Oh putain, je t'ai vu viser toi, frérot. Joue pas, ouais, joue pas t'inquiète, ça. T'inquiète. Joue pas à ça, frérot. Je vais pas tirer. Attends, on peut enlever la musique de merde là. Ouais, la musique m'a mis la pression direct. Il faut l'enlever. Échappe à mettre audio musique. Tu la mets à. Il faut l'enlever absolument, non?
Bah t'inquiète, on gère. Tu peux l'enlever, tu peux la mettre. Mais la musique, elle donne trop, elle met trop de pression. Bah ouais, mais après t'entends pas les bruits, ouais. Non, 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 la musique, t'inquiète. Volume des chants, volume des chants. Tu la mets à zéro. Nous on la garde pour savoir quand le fort est terminé. Donc t'inquiète, on gère. Alors c'est moins spectaculaire là les gars. Là c'est vraiment maxi tryhard. Tranquille, tranquille. J'ai entendu une balle de tir. Ouais, ils sont en train de tuer les squelettes sur l'île. Ok. Ça c'est un canon, ça c'est une propulsion. Donc les mecs, c'est ça, c'est le bruit d'un mec qui se met dans un canon. Ça c'est les nous parce qu'il est mort et du coup il a dû se projeter là-bas. Entre autres, ouais. Ou sinon il est juste allé rechercher des munitions. Ah non, il est trop nul et il est mort, je te le dis. Bah c'est probablement le cas, t'as dit. Ils sont tous morts. Et j'espère pour nous. C'est pas trop risqué de se cacher à côté de la chaloupe comme ça, Ren? Vous faites tout le temps ça? Ça dépend, non, en vrai. Ça dépend, mais là en fait, vu qu'il y a aucun bruit sur l'île, faut faire très attention. Ah, ok. Bon, en gros, je vous explique. Len et Senda, ils ont continué à voler des coffres d'intérieur pendant. Alors, moi j'ai AFK pendant un an, donc tu vois, genre, je connais pas trop la méta actuelle. Parce que là, aujourd'hui, les gens. Et là, on peut se lever, on peut longer là. Venez, venez. Vas-y, vas-y. On longe. Oula, oh, ne courez pas, ne courez pas, ne courez pas. Ne sprintez pas dans l'eau. Ne sprintez pas dans l'eau. Ouais. Okay. Juste avancez tranquillement. Mais regardez, on a un baril ici, souvenez-vous, ok? Ça peut être utile tout à l'heure. On peut se donner rendez-vous genre au baril. Ok, là c'est la merde cachette celle-là. Non. Là on peut avancer, on peut avancer. Nager, allez sous l'eau. Ok, nager sous l'eau les gars. Y'a de l'endurance sous l'eau? En fait au bout d'un moment tu fais glouglou et ça s'entend de malade. Donc dès que tu vois Philippe remonter à la surface, tu remontes. Là vous sprintez là? Oui. Oui. Parce que là il y a une sirène donc Len, faut vite qu'on aille monter sur leur bateau. Ouais. Oubliez pas avant de monter à l'échelle, essayez de sortir votre pompe et de vider. On est vu. Vas-y Len, j'ai l'argo. Ok les gars, montez à l'échelle, c'est l'heure du fight, go. Info Len. Déjà? Il est mort. Ok, là on peut tenter de se cacher en vrai. Vas-y. Ok, alors, ça c'est un move très argon messieurs. Parce que je me suis... Prenez celle que je vous ai appris les gars, celle dont je vous ai appris. Yes. Ouais, bonne chance. C'est bien, vous avez bien split, C'est bien, c'est très bien, c'est un joli split. Ouais. Ok, Allez, les gars. Je sais pas. Ce qu'on vient de faire, c'est le pire move. Voilà, je vous l'ai dit là, c'est le. Ouais, parce que là on l'a tué et on s'est caché sur leur navire, ils sont pas cons. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un sacrifice. Len. Ah, faut qu'il y ait un mec qui meurt. C'est ça. Mais attends, il est là. Nous, tu nous as pas vu. Len, fais pas de sacrifice, ok, je te dirai. Mais Bibi, t'es caché avec moi? Je sais pas si c'est moi. Non, c'est moi. Ouais, on passe entre le tonneau et la prison. C'est vous et oui. C'est deux. Ah, il vient de passer. Il y en a devant nous. Oh merde. Oh merde. Ça va. Ils ont pas vu. Ah. Et ça va pour. Yeah, c'est bon. C'est bon, les gars. Let's go. Ok, les gars, j'ai l'impression que c'est clean. J'ai l'impression qu'on est clean là. On s'est bien caché, Bibi. J'ai bien l'impression aussi. Les gars, je suis fier de vous. Eh, il est juste là, sa grand-mère. Oh non, t'as non, dommage, c'est bon. Il est là. Il va check. Oh non, le gros. Ok. Ok, ça va. Ah, il nous a check. Il nous a trouvé. Vas-y. Mort. Nice. Aidez-les. Ils sont trois. Je mange. Prenez une balle, mangez. Je mange. Il a brûlé le navire. Fumez. Allez, on y va. Nice. Les trois sont morts, on va aller se cacher sur l'île, je pense. Ouais. Suivez-les. Len, tu les emmènes en haut. Je le suis. Tu les emmènes en haut, tu les mets à mon spot en dessous de la tour. Ouais, je vois. Y'a un mec encore, sur moi. Ouais, je te suis. Venez sur l'île. C'est bon, tu l'as tué. Faut leur vite partir avec les squelettes et tout qui vont vous suivre. Ouais. Là, vous suivez Len, c'est bon. Suivez Len, les gars, Philippe Martin. Okay. Ouais, je le suis. Maniez-vous parce que là, le timer il est lancé. Hein. Quand on les tue, les respawn, s'ils nous voient faire ça, on est baisé. Ouais. Attendez un peu, Len. Ouais. Ouais, t'inquiète, on te voit. Okay, c'est bon, parfait. C'est bon, allez, vous remontez là, vous remontez encore, tac. Là, vous allez monter une échelle et vous allez vous arrêter sur la droite vers le milieu. Il y a une sorte de petite cage, vous allez monter dessus. Et vous vous arrêtez juste avant de monter à la fin et vous faites un petit saut vers la droite. Attends, redis. Ah, l'échelle, elle est là. Ouais, et là, tu ne montes pas juste en haut. Tu tombes sur la cage. Quand t'es sur l'échelle. Descends un peu l'échelle.
Mais comment tu sautes? Là, tu t'appuies sur F, tu regarde à droite, regarde à droite, et t'appuies sur F. Plus haut, faut que tu te mettes un peu plus. Voilà, regarde à droite, t'appuies sur F. Voilà, c'est bon, connais-toi. Nice. Et nickel, vous venez à l'intérieur et vous vous mettez en émo furtivité. Ouais. Tout le monde est là? Ouais, cachez-vous vite, ouais. Furtif. L'escalade, il me tire dessus, frérot. Non, c'est bon, là. On est bien caché là? Ouais. Là, ça, c'est nickel. Oh, c'est une folie. C'est incroyable. Ouais, c'est dommage, on s'est fait spot, les gars, c'est dommage. Putain, ce bâtard, il nous a vu. Ouais, ouais, il a check partout, il a check partout. En vrai, vous auriez pris ma cachette, les gars. C'était bon, je pense. Faut toujours... Len, j'aime pas ta cachette. Ça va? J'aime pas la brigue. Ah oui, la brigue, ouais. La cachette brigue, c'est compliqué de se cacher dessus, ouais. Non, mais mec, t'as pris, la deuxième cachette en ordre de prio. On aurait tous pris le tonneau du fond, ça se trouve, c'est passé. Wesh, mais toi, plus à gauche, plus à gauche, plus à gauche, plus à gauche. Voilà, là. Ah, il bouge le bateau, les gars. Ah, ils vont revenir, de toute façon. Y'a rien dans leur nid de pie ? Y'a quelque chose, hein, je crois. Il se barre avec le bateau, hein. Il se barre avec le bateau. Imagine, c'est loot. Ouais, ouais, t'inquiète. Il se barre, les gars. T'inquiète, ils vont revenir, de toute façon. Tu penses ? Ah, bien sûr. On va se faire oublier, les gars. Ouais, mais ils savent très bien là c'est amateur de malade ce qu'on va te faire. Mais au moins vous avez un avant-goût, les gars, de ce que c'est cool là, parce que là, vous avez tout là, les gars. Mais tu vois, c'est délicat, hein. Un truc, une égratignure, un truc, c'est fini. Les mecs regardent comment ils agissent dans ce jeu, genre, là ils se barrent direct, frère. Ils vont à l'arche là? Non, ils tournent vers la droite. Comment vous les voyez, wesh? Là, tu tournes ton viseur un petit peu et ils sont derrière le poteau. En gros, tu tournes un peu ton viseur. Là, on les voit là. Ah, ouais, je le vois là-bas. Ah, ils cherchent peut-être notre. Nah, je sais pas ce qu'ils cherchent, frérot. Y'a moyen qu'ils cherchent notre navire, non? Nah, je pense qu'ils font juste un move parce qu'ils sont un peu paniqués, frérot. Et ils ont un peu peur, c'est tout. Là, ils reviennent. Ah, s'ils reviennent, c'est ça, ils s'ils reviennent, les gars, on va se faire checker. Donc, ne vous levez plus, les gars. Et là, il y a moyen qu'ils nous voient pas. Il y a aucun moyen, franchement. La complication sur cette île, les gars, c'est que si vous vous cachez autre part que ici, eh bien, les squelettes vont vous tirer dessus. Les squelettes, ils te voient là, qu'il n'y a pas de problème, ils te voient partout. Ouais. Bah, du coup, c'est la seule cachette viable, quoi. Ouais, et du coup, si t'es spot, bah là, il y a plus de solution à part les rochers autour dans l'eau, quoi. Mais là, tu vois, le problème aussi quand t'es spot, Kamel, c'est que les mecs, ils regardent direct Twitch. C'est ça le problème, frérot. Ah. Et du coup, tu sais, genre, ils se disent, oh là, il y a des mecs qui se cachent, ils ouvrent Twitch. Et là, pan, ils tombent sur ta chaîne. Et c'est terminé. Hello. Mais là, tant qu'ils viennent pas nous buter en mode instant, c'est bon. Arrêtez, l'AFK, les gars, là, on vient de se poser. Quel AFK, les gars? C'est 10 minutes, l'AFK. Ils ont tiré au canon? Ok. Je sais pas ce qu'ils... Non, mais c'est... ils sont en panique. Elle était pas là-bas, notre barque? Non, mais ils sont en panique, frérot. Là, ils font... T'inquiète, la barque, c'est pas un souci. Ils font n'importe quoi. Hey, ils doivent être comme des oufs dans leur vocal. N'hésitez pas à faire échappe paramètre de temps en temps, juste pour trigger l'anti-AFK. Ah, c'est comme ça qu'on le fait? C'était une habitude, mais apparemment, ça sert plus à rien, mais c'était une habitude. Maintenant, il faut se lever, quoi. Ah ouais? Ouais, mec, t'sais, avec Squeezie Dwag, j'avais fait ça la dernière fois. Mais c'était quand? C'était avec toi? Ah ouais, non, mais ça, c'est parce qu'on était resté allongé 2 heures, wesh. Non, nous on s'était levé. Toi et moi, mec, on s'était levé. Ah ouais? Ouais, et Dwag et Squeezie sont pas levés. Ah ok, je m'en rappelle plus. Ils se barrent là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? Je regarde le pauvre de laine. C'est la Rarcrox, c'est ça? Vers Ancien Spire. Ancien Spire? Y'a quelqu'un sur l'île? Tu garantis à 100% le mec sur l'île? Ils ont pas envoyé au canon? Y'a un mec sur l'île. Ah, il doit check. Ah, il va check. Ils l'ont envoyé au canon et il check, c'est ça? Exactement. C'est ouais. Ça. Ah, ça veut dire qu'ils étaient pas loin dans leur quête ici, c'est ça? Non, mais ils veulent finir en fait. Parce que en gros, quand tu entames ce fort, frérot, pour activer le fort, c'est giga cancer. Ok?
Genre il faut que t'ailles chercher les lanternes. Donc la lanterne, c'est quand tu crèves d'une certaine manière. Et quand t'es dans le spawn, t'as vu là, quand t'es mort tout à l'heure. T'es dans un bateau. Ouais, il y a écrit lanterne. Voilà. Et la manière dont tu meurs te donne une lanterne d'une couleur différente. Donc quand tu meurs d'un requin, par exemple, ça te met une lanterne bleue. Quand tu meurs de la foudre, ce qui est giga dur, tu prends une lanterne violette, j'en sais rien, un truc comme ça, tu vois. Et après, une fois que t'as toutes ces couleurs là, là t'allumes le fort et tu peux le lancer. Mais en gros, t'as des lanternes genre comme la foudre et des trucs comme ça qui sont trop chiants à aller chercher. Ouais, ok. Et je sais pas, donc ça met du temps. J'ai que volé ce fort, j'ai rien. Je suis jamais allé chercher des trucs. Allez. Là, faut juste croiser les doigts pour que le mec il trouve personne et. De toute façon, là, il va juste faire un check, il va voir qu'il y aura personne, parce qu'il y aura pas trop, parce que c'est un tout. Il va dire, c'est pas toi, mais c'est bon, ils sont non, pas mais, là. Non, mais, hé, mec, revenir. T'es. Ça. Là, tu me dis que t'as fait des vols comme ça? Mais. En 2021, t'as fait des vols comme ça? Bien sûr. Ok. Mais gros, enfin, les mecs se baffent dessus quand même, hein. J'en sais rien, mec, j'en sais rien. Je tiens à dire à l'équipe que je n'ai pas mis une balle. Ah ouais? Ah bah, tu m'as dit survivre, c'est plus important. Ok, mais t'as mangé du coup? Ah oui, j'ai fait que de manger. Ok, c'est parfait. Ça, manger. Non, mais ça, c'est parfait. T'inquiète, Kamel, je l'avoue aussi, j'étais pas le seul. T'as rien mis? Et manger aussi. J'ai mangé, mais j'ai pas eu le temps de mettre deux balles. J'ai mais pris tu une les balle avais pas, ouais, à chaque fois, ils étaient morts. À chaque fois, ils étaient morts. Et quand je courais, bah, ils étaient déjà morts. Et vous avez déjà terminé tout le monde. Et Lenny est chaud, les gars. Lenny est chaud. Lenny a tout fait. Ouais, faut pas mourir, c'est tout. Mais c'est parfait parce que quand tu crèves, c'est encore pire. Parce que du coup, l'un de nous doit te raise. Non, parce que quand tu crèves, t'es à genoux pendant genre 6 secondes, 7 okay. secondes. Et l'un de nous doit te raise, sinon t'es mort. Et là, t'es au bateau et tu reviens à la nage. Ah, du coup, on va plus être une plaie pour vous que d'être. C'est ça. Alors que okay. Si tu restes en vie, t'es comme une cible. Donc c'est cool quoi, t'as un poids quoi. Non, mais no joke, je vais garder ce gameplay. On mange. Non, mais essaye de caler une balle de snipe. Vraiment, mec. Tu cales une balle de snipe, t'imagines même pas. Non, mais en gros, je cale une balle de snipe que quand je me sens safe. Et comme ça, je deviens pas une plaie. Et si jamais on peut se battre, on se bat. T'inquiète, je vais pas mettre. Échappe à mettre, les gars. Et là, c'est un game de patience. Thomas. Qu'est-ce qu'il a tweet? J'aurais plus à dire à Costamine. Eh, c'est vrai qu'il nous a brouillé, lui. Hein. Thomas qui est Pasquier. Non, Pesquier, ouais. Pesquier? Ouais. Pas Pesquier. C'est Pesquier. C'est Pesquier, c'est pas je crois. Pesquier, frérot. Bah oui, mais j'ai dit Pesquier, moi. Non, t'as dit Pesquier, là. Ah merde, hein? T'as dit Pesquier, frérot. Ah ouais? Pesquier? Hein? Non? Bah il a fait quoi? Bah il a tweet. Il a mis sa pépé en pixel. C'est le chef des fusées, wesh. Len, tu le vois là? Je vois rien, moi. Non. Mec, on a du check, c'est des loot, putain. Et mec, imagine. Si, bon, on a vu. Non, pas de pif, frérot. Non, mais il m'était en bas. Ils avaient genre. Mais t'avais, il est déjà parti sur un mec. Ils avaient un grog. Non, et mec, ouais. est-ce qu'ils iraient pas sur un serveur hop? Non, impossible. Moi, pas je. Sens. Bah, moi, je te le dis. C'est facile ou pas? Comment tu fais? On va voler. Faut un checkpoint de fable pour prendre la TP. Mais bon, c'est cancer. Moi perso j'ai vu juste à l'outfit des mecs, j'ai compris en fait que c'est des mecs du père. Hein. Ils font quoi là? Je les vois. Ils sont où? Tu vois? Ah non, je vois pas. Bah, je crois qu'ils sont partis vers le. Vers là, l'est. Là tu me dis ils sont partis pour vendre un grog. Mais tu sais qu'il y a grave moyen hein. Ah frérot. Mais c'est pas un grog. C'est un coffre de merde, mec, c'est un vieux coffre de merde. Quand tu le tiens t'es bourré. Mais il... Ah ok. C'est vraiment un coffre de merde. Bah il y avait un mec ici là, qui vérifiait mais. Mais ils l'ont pas laissé tout seul en bas quand même. Bah en vrai ils s'en bat les couilles, s'il crève il respawn sur son avion, ils s'en bat les couilles. Ah ouais c'est vrai, je suis con. D'ailleurs lui il est mort ou pas Len? Tu l'as entendu? Mais on l'aurait entendu mourir, non? Non, mais on entendrait des coups de feu. On a entendu des coups de feu un moment, mais ça arrêtait très très vite. Donc, ouais, genre, une grenade. Qui fait le tour. Hein. Après, peut-être il s'est suicidé dans l'eau, non? Non, parce qu'il a mis un pied sur l'île, soit les squelettes l'ont fumé, soit il est parti lui-même. Mais ils ont pas de la pêche en bataille quand même.
Y'a pas un truc aussi, si ton navire il est trop loin, on peut te TP? Non. Oui, c'est ça. Enfin, si, dans le sens où t'as une sirène qui apparaît à côté de toi. Ah ouais, la sirène. Ouais, voilà. Là, quand, là, tu vas dans l'eau, y'a une sirène qui pop. Et c'est aussi un moyen de se faire griller ça. Et ça, y'a rien que tu puisses faire. Y'a rien. Mais on l'aurait cramé s'il avait pris ça. Non. Ah, franchement, non, je pense pas. Non, hein. Ok, ok. Il avait, pardon, my god. Donc là, on va attendre encore 5-10 minutes, frérot, et puis on va voir ce que ça donne. Mais c'est un jeu de patience, hein. C'est vraiment. C'est vrai que c'est plus mec, fun t'inquiète. D'attendre dans un bateau, c'est sûr. Mais c'est un jeu de patience. En fait, si on n'attend pas, ils vont forcément se sentir menacés. Si le mec il reste là 10 minutes et qu'il n'y a rien, ils reviennent, c'est pas grave, on reste. On attend. Au pire, on a un backup là qui est en train de. Ouais, en fait, ça, pendant ce temps-là, on a des gars qui cherchent d'autres serveurs. Ah ouais, c'est chaud. Bah ouais, parce que mec, t'es obligé, sinon t'as rien. Mais j'ai quand même envie de faire un serveur neutre hein, avec vous. Hein. J'ai quand même envie d'essayer un serveur neutre, genre Serveur neutre, ça veut dire on y va. On y va comme à l'arrache ça, et on navigue et on cherche un bateau, ouais. Ok. Parce qu'il y a des bonnes rencontres aussi à faire. En fait, quand. Si on a de la chance, mais de ouf, on tombe sur des mecs qui commencent, tu vois, qui débutent. Et ça, mec, ça c'est au début du jeu, on s'est régalé là-dessus. Et tu te fais passer pour un PNJ. Waouh! Et mec, genre, j'ai genre, comment ils peuvent tomber dedans? Genre, c'est impossible. Je te jure, avec Sendai, à un moment, on s'est fait passer pour un PNJ, c'était incroyable, frérot. Après, je me dis que Kamel, on passe devant eux. Je parle comme ça, je dis Welcome to the Sea of Thieves Challenge. Et les mecs, ils y croyaient, mais dur comme pierre. Tu sais, je marchais sur leur navire. Tu m'occupes à moi. Ouais. Et je marchais sur leur navire, frérot, et je leur donnais des quêtes, mec. Je dessinais des tops sur leur carte et ils suivaient la top, je te jure, mec. Mais mec. Ah non, merde, faut que je le règle. Ah, mais c'est impossible. Trouver des gens comme ça aujourd'hui, c'est chaud hein, en 2021, quoi. En 2022. Parce que y a plus trop de débutants dans le jeu, y a plus que des experts. Y'en a forcément, mais faut avoir de la chance. Vas-y, là, ils sont allés où là? Mec, ça. Monte en haut, Len. Pour check. Il venait de commencer, non? Parce que s'il venait de commencer, ça se trouve, ils s'en battent les couilles, hein. Je crois qu'il y avait moi, il venait de commencer, non C'est tricolore, je crois, il me semble. C'est tricolore? Je crois. Bah, ils sont vers la fin alors. Bah, là, on voit bleu, blanc. Il y a un rouge. Il y a un rouge, ouais. Ok, bah ouais, c'est ça se trouve, ils s'en battent juste les couilles, frérot, non? Moi, je pense, hein. Bah, je pense qu'ils se connaissent pas, surtout. Ok. Avis d'expert après l'analyse de la situation. Je pense qu'ils se sont fait voler il y a pas longtemps et du coup ils se disent nique sa mère. Je préfère pas la voir que me refaire voler. C'est possible, c'est possible. Bah, surtout que oui, on les a tous tués plusieurs fois, je crois. Et du coup ils se disent. Mais t'es giga bête à dire que c'était un viewer, c'était le même gars. On nous modifie les. T'as une option dans le jeu qui modifie les pseudos des gens. Justement ce qu'ils avaient. Et du coup ça met les mêmes pseudos sur tout le monde. Les gens ils sont. Les gars, allô. Ça, c'est les mêmes pseudos. C'est des pseudos de c'est des faux pseudos. Putain, c'est fou de croire que c'est les mêmes mecs parce que c'est les mêmes pseudos. Allô les gars, réveillez-vous. Et si jamais il faut switch là, on attend encore 2 minutes. J'ai un autre serveur. Ok. C'est quoi, c'est pareil? Ouais. Franchement, si vous avez des forts normaux et tout, moi je m'en fous, on les prend. Ça fait des interactions, frérot. Les forts normaux, j'en suis sûr, t'as le des. Le problème des forts normaux, c'est qu'il y a personne qui les fait, mec. Y'a aucune vanne. C'est qui qui a tiré? Ah, c'est moi. Ah, j'ai rien fait, moi. Je suis dégoûté, je croyais que ça avait tiré. Arrête, tu peux te lever là, hein. Je sais pas pourquoi t'es allongé encore. Je me suis levé y'a pas longtemps. Mais là, c'est bon, ils sont même descendus, nos potes. Vas-y, y'a pas longtemps. Oui, on est en furtivité, frère. Je sais pas, par contre, ils sont passés où, hein. Ils sont allés faire une quête dans les Roars, voilà ce qu'ils sont fait. Arrête de tirer! Ça sert à rien de tirer sur le squelette, c'est invincible. Non mais je voulais. Je voulais tester pour voir si je mettais des. Invincible, ah ouais. Non, c'est pas raté les gars, j'ai testé une tête, ils sont invincibles. Bon, les rageux. Essaye de sauter et prendre l'échelle là, Kamel. Comment ça sauter et prendre l'échelle? Saute et prends l'échelle. Attends, comment ça sauter? T'as pas besoin de sauter? Je sais pas, bah prends l'échelle. Voilà. C'est chaud, bien joué.
dessus, frère. Si t'appuies plusieurs fois sur ta touche de bouffe, tu peux choisir de manger un truc qui te rend moins de bouffe. Parce que du coup. Non, pas ça. Ça ah, c'est ouais, bien. Un truc. Mais là, j'ai que. Non, mais là, j'ai que ça. Ok. Bah, tiens, prends ça. Tiens. Merci. Nice. Bon. Là, ça a l'air un peu désert. Ah, ouais, là, c'est. Sinon, on prend le bateau. On prend le bateau, on cherche vite fait. Un peu, hein. Bah je pense le temps que vous allez chercher l'autre savoir sera déjà prêt. Ah ouais. Bah là il est prêt dans 2 minutes. Ok. Et c'est quoi, c'est un galion? T'as un dommage, on allait le faire. Ouais. C'est un peu quand même t'as fait. Galion. Mais après les mecs, enfin les ennemis, je sais pas. Moi je me suis carrément, j'ai repris le temps de me rallonger. Hein. T'as tiré dans avec les canons. Oh Len. Ils sont Reaper 4. Len. Là je peux aller voir sur vas-y, le site. Vas-y, va voir. Prends la porte, on va direct. Moi j'aimerais bien savoir le spot là. À droite, attends, bah suis Len derrière. Enfin, les gars, quand il y a plein de corbeaux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort récemment ou rien à voir? Non, rien à voir, rien ça à veut voir. Dire qu'il y a un navire. C'est juste de la déco. Non, ça veut dire qu'il y a un navire en dessous. Vas-y. Ah ouais? Ok, nickel, merci. Sud-ouest, il y a plein de corbeaux alors. Et check le Reaper 4. Ah tu ils ont give up. Il est plus là? Ah non c'est nord-ouest. Ouais ils sont plus là. Ils ont retiré le drapeau ces noobs. Ouais. Non mais j'hallucine mec. J'hallucine. La honte. Tiens c'est ça le problème de ce jeu, c'est dès que les mecs tu les aggro un tout petit peu, ils ont trop peur et ils se barrent tu vois. Genre là ils avaient rien à gagner, rien. Mais ils doivent connaître le système tu vois. Ils doivent savoir qu'on était là pour les tuer. Ouais, ils ont dû se faire tabasser 2-3 fois et ça les a ouais, ouais, ouais je pense que c'est ça. Je pense qu'ils se sont déjà fait voler en fait. Ok vas-y on va quitter. Vas-y, Len fait une rota. Tiens les gars, faites péter le baril, ouais. Faites péter les barils, vous allez voir. Vous allez voir un peu. On va faire péter les barils. Tiens vas-y, tire dans mon baril, tire dans mon baril le sniper là. T'es où frère? Je suis en dessous de toi là. Là y'a un baril là. Vas-y, tire dessus. Tire. Tiens dessus, gars! À moi! Ah là! Ah là-bas! C'est toi qui as tiré, Kamel? C'est pas toi? C'est pas moi, frère, c'est toi? Bah non, c'est pas moi non plus, je trouvais pas le baril, moi. C'est un squelette qui a tué. Un squelette, non mais vas-y, fallait rien dire, frère. C'est pour être sûr, parce que moi, j'ai pas tiré dessus. Peut-être que toi, t'avais tiré dessus. Et on est setup, vous pouvez join? Vas-y, je suis en train. Jeune qui? Oula, Len, ce que je viens de voir là. Non, dites rien. Dites rien. Je rejoins qui? Je rejoins Len? Ouais, tu rejoins Len. Il m'a l'air suspect, celui d'en bas. Hein. Ouais. Qui c'est? Oui. C'est Source Fiable qui te l'a filé? Oui, toujours. Toi. Oui. Ok. Pas de snitch ici. Ouais, c'est lui, il est bizarre, là. je vais regarder. Donde est-ce pas? Comment ça, lui, il est bizarre? Qui est bizarre? Je peux pas dire. Écris. Attends. Ok, les gars, vous pouvez me join. C'est parti. Il y en a qu'un seul qui va pouvoir join, donc parce qu'il y a encore la personne n'est pas partie encore. Ok, celui-là, ça a marché, les gars. C'est quoi comme navire? C'est Galion? Dis-moi Galion. Ouais, toujours. Let's go. Ah, le navire en face? Ouais. Aucune idée. Non, merde. C'est la surprise. Ah, ça veut dire qu'ils sont plusieurs, non? Vas-y. Non, en vrai, non, lui c'est bon. Ok. Le safe, c'est. Ah, quoi que, remonte la carte, Len. Ok. Ouais, non, ok, il est un peu bizarre lui. Oh, c'est pas grave. Ok. Kamel, tu peux pas join là, on est d'accord. C'est bon, il a quitté, vous pouvez join. Ah. Brief-moi, ok, c'est bon, tu m'as. Et c'est reparti. Hop. Join. Ah.
Ok, quand vous arrivez les gars, essayez de streamer le moins possible les détails, les cartes, les alentours, ok? Genre regardez oui, vraiment, oui. Tu regardes le sol, tu vois. Et prenez des fruits. Essayez d'en laisser aux autres, tu sais, genre tu prends, avec clic droit, tu prends genre deux mangues, deux grenadines et un autre truc, tu vois. Banane. Non, prends pas, évite les bananes, vraiment genre. Ok, ok. On m'a dit les noix de coco, c'est encore pire. Non, noix de coco, c'est mieux que banane. Ah, ok. Hop là, 5 noix de coco. J'ai mes armes. Non, non, 5 noix de coco, idiot, prends des grenadines. Non, non, y'en a ici, okay, t'inquiète. Okay. Y'en a ici, t'inquiète. Y'en a dans la barque. Dès que vous êtes prêts, les gars, on prend la barque et on y va. Tout le monde est là? Poulet, c'est de la frappe, non, le poulet? S'il est cuit, oui. S'il est cuit, oui. Ouais, il est cuit. Ok. N'oubliez pas, ça te donne de l'overheal, ça. C'est cool. Aussi. Prendre quoi? Les boulets. Les boulets de KO. Dans le coffre de canon. Ouais. Ah, parce que je me dis, j'utilisais des boulets de KO. Putain, j'ai peur là, oui, j'ai peur avec ce que tu as vu. Jean, il y en a ils pas. Juste ici dans la petite caisse. Ah, ça fait chier. C'est à moi maintenant. Pas, frère, merde, j'ai pas fait exprès, Comment on jette? C'était il miss bot. Ah, bravo. Je vais poser, je crois. Ah mais là, la caisse est Géchard quand même. C'est et bon les gars. Les KO en fait c'est très pratique. Si vous avez plus de balles, vous pouvez les lancer sur les adversaires. Ah, mais faites gaffe à Bateka, c'est ce que je vous disais. Grenade incendiaire, ok non. Incendiaire c'est non, chiant, oui. c'est chiant parce que tu vas ouais. Nous. En fait incendiaire c'est plus pour aborder comme je t'ai montré. Ah non là c'est KO là que j'ai pris. Ok. Ouais, mais c'est parfait. Je te dis pourquoi les pas les lancer parce que du coup tu vas nous cramer aussi, quoi qu'il arrive. Les gars, il y a un bateau en face, no joke. Non, hey, je t'ai dit quoi? Viens voir. Non, c'est un bateau squelette, t'inquiète. Ah, c'est un bateau. Ok, venez, on y va, allez, les gars. Ah, mais je cherche la. Ok. Je jure, essaye de streamer le moins possible, là. Regarde okay, le sol. Ok. Les trucs. Ah, non, mais on a une. C'est une chaloupe canon, ça. Ouais. Ça va être grave gaulerie. Quand tu tires, ça va pas plus vite dans l'autre sens? Comment ça? Ça te propulse pas en arrière, genre, quand tu tires? Si, ça te propulse, mais légèrement, quoi. Ah, ouais, ça aurait été trop marrant, frérot, de pouvoir speedrun comme ça. Du coup, j'essaye directement de me mettre sur leur bateau. Ou... Ouais, c'est Brig. Ouais. Je sais pas, je comprends. Bah, on s'approche et on avise, mais honnêtement. J'entends pas de tir de canon. Ils font encore les boss au canon? Non, ils les font plus. Ça dépend, c'est les traders généraux qui font canon. Okay. Il y a une nouvelle technique, c'est avec les. Des bâtons guidons, je crois. Ouais. Oui. Après, ça a pas été nerf ça? Ok. Bibi, Kamel, vous êtes prêts, les gars? Ouais! Je suis prêt! C'est quel genre de bateau là? Là c'est pareil, c'est Brig les gars! C'est le même? Ouais! Et du coup on va se mettre où? Son mur? La cachette, la cachette! C'est le mieux! Carte, okay. Attends, Redis, c'est à côté de la carte? Ouais, à côté de la carte! Là on vise le rideau même! On vise le rideau! Non! C'est à côté de la carte! C'est le tonneau, la première! Ah là on était, ok! La première cachette que je t'ai montré! Là on était en face! T'as la map et sur la droite! Ah oui, là-bas, là où eux, ils étaient. Ouais, voilà, exactement. Ah ok, c'est bon, calme. Moi, c'était juste pour que tu te repères, je disais là où on était. Allez, bébé. Bah ouais, tu me dis là où on était, c'est pas là où on était. Bah ouais, là où on était, c'est tu devant. Regardes là, c'était devant, voilà. C'était là où l'eau clear, il était. Exactement. Kamel, regarde le sol, tu regardes le sol. Ouais, je regarde les pieds, là. Ok, parfait. Ils sont beaux, tes pieds? Non, en tout cas, ils sont horribles, hein. Eh, parle bien de mes pieds, wesh. Et les gars, concentration, faut faire ça propre. Une brique, c'est très dur. Les gars, c'est très dur de pas se faire spot sur une brique. Mais si on a de la chance, ils sont tous les trois en train de farmer sur l'île. Et nous, on va docker. Et en gros, c'est docker, c'est. On amarre directement notre barque sur leur navire. Et boum, on peut directement descendre dans la cale. Sans prendre les échelles, tu vois. Sounds good to me. Et si on arrive à faire ça, c'est ultra pogchamp. Je vois Alain, je vois pas. Ah ouais, c'est une brigue. Je vais travailler. On arrive bientôt, chat looper. Ouais, on arrive. Bientôt, ouais. Là, dans 1 minute 30, c'est 1 minute 30. On y est. Je fais bien le contour pour pas me faire repérer. Putain, tu t'appelles plus Phil. Putain, allez. S'il te plaît.
Il faut que ce soit des Espagnols et qu'ils streamaquent pas, ce serait incroyable. Non mais... Oh, le vocal il va être toxique. Mon rêve, ils ont le micro in-game, mon rêve. Ah ouais, mec, est-ce qu'on peut faire des trucs Est-ce qu'on peut faire des trucs en mode des fois genre on fait des bruits bizarres? Non, pas là. Okay. C'est pour ça que je veux faire d'autres forts. On va faire d'autres forts. Parce que là on peut pas rigoler. Ah ok. Enfin ça dépend. Vas-y. Si vraiment on voit qu'on sont giga nuls on peut. Mais tu fais un bruit, vas-y. Tu perds une heure. Je te jure. Ouais non, je suis d'accord. Parce que les mecs ils vont te chercher pendant une heure. T'as vu là, on s'est fait spot une fois. Les mecs ils sont partis. Tu vois donc Ok les gars, préparez-vous. 40 secondes, je vois un mec sur le top. On peut relever la tête ou pas là? Ouais, là tu peux relever. Ouais, vas-y, relever. Tu fais un tout droit? Tout droit? Ouais, il fait tout droit. Godok. Ok. C'est stack. Il y a des cordes déjà, il y a des. Oh merde! Il y a un mec dessus. Arrête-toi avant de docker! Stop! Oui. Bah, je peux plus m'arrêter là. Ok, doc! Vas-y. Doc. Hop, c'est bon. Go les gars, go! Ils sont stackés! Cachez-vous! Bon, tout le monde est caché là, c'est bon, nickel. Ouais. Y'a un mec qui vient de spawn. Oh, c'est incroyable, wesh. Les gars, je suis pas dans le bateau. Qui? Non, Sprinty John, Bibi. Je suis pas dans le bateau, mais je suis même pas monté encore sur le bateau, moi. Je fais quoi? Mais il a dit on va docker, il a jamais dit de sauter. Oh, je t'ai vu sauter, ça lui dit. Ah, j'ai sauté, bah ouais. Ok. Oh, il parle. Bibi, réponds-lui, dis-lui que t'es tout seul. Ils se font attaquer. Bibi, réponds-lui, dis-lui qu'il est parti. Mais il est parti. Il est trop loin. Bibi, sur l'île, sur les rebordures, sur les rochers, tu te mets à genoux, ok? À plat ventre. Les gars, on est tous bien cachés là ou pas? Bibi nage vers l'île et essaie de te cacher sur l'île. Non, il peut pas sacrifier, c'est rien de sacrifice. Vas-y. Bibi, cache-toi sur l'île. Pour vous dire, il y a un autre bateau, hein. Il y a un autre bateau. Bibi, cache-toi sur l'île, comme ça tu nous donnes des infos de ce qui se passe à l'extérieur. L'autre bateau, il est en train de frapper l'île là. Les gars, j'ai un problème. Quoi? J'ai Alt-Tab et je peux plus re-Alt-Tab, ma souris elle fait des... Attends, échappe. Ah, ok. C'est bon? Ouais. Mais comment t'arrives à... Vas-y, je me replace sur l'île tout en haut. Je voulais regarder ta POV comment on était placé, mais comment t'arrives à... Non, sur les bordures, frérot. Caméra, ouais. Comme ça, les bordures. Ah, ok. Non, je parle à Bibi. Ah, merde. Et après, tu peux zoomer et dézoomer aussi. Comment dézoome sur l'île? Avec la molette. Mais là, vu qu'ils sont en mouvement, ils sont en mouvement là. Non, mais tant mieux que Bibi soit solide, c'est génial en fait. En vrai, Bibi, tu te mets à l'arrière de l'île, là où on est arrivé tout à l'heure avec la barque. Ou sinon, ouais. Si jamais t'entends qu'il n'y a plus aucun bruit, là tu peux monter en haut du fort. Il y a un mec qui s'est envoyé dans l'île. Si, parce qu'il y a un mec sur l'île, là, je le sais. Deux mecs qui sont partis sur l'île là, non? Avec le bruit là. Oui, c'est ça, exact. C'est un bateau à trois là, Bibi, il peut venir, non? Non, il peut surtout pas. Ils sont en train de se battre contre une autre brigue. Il y a un mec là, il y a un mec, je l'ai vu. Mec, Sendat a été raison. Ils se font chasser par l'autre bateau en fait. Ouais. Ouais, tu vois, c'est ce que je pensais. Ah, you almost made it, man, I try. I don't. Ah, let's go, s'il parle dans le jeu, c'est incroyable. Les gars, wow. Je t'explique. Il y a moyen qu'on se prenne un boulet, d'accord? Prépare-toi à re-emote, d'accord? Voilà. On se remet, re-emote, instant. Vous vous faites chasser. Voilà. On risque d'en prendre un autre, là, ok? Tranquillement sur l'île, j'observe. Recaler. Ah bah, votre bateau est cool là. T'inquiète. Je mets un coup d'écope. Recaler, les gars. Attention, ils vont venir réparer là. Putain, je crois que j'étais. Je le gardais un peu vers la gauche. Non, t'es bien, t'inquiète, t'es génial. Bien, t'inquiète. Là, let's franchement, parfait. Ok, moi j'ai mon écope plein. Donc la prochaine fois qu'on prend un boulet, Kamel, tu prends ton seau et tu ramasses. Ok, non, c'est bon. Mais là, c'est risqué parce que quand il répare, c'est le moment où il faut pas qu'on fasse bout. Oh non, y'a un mec à bord. Oh non. Putain, je peux peut-être prendre un truc là. Vas-y. Et ensuite, du dors direct. Ah putain. C'est fait. On fait quoi, on les aide? Je crois pas leur sortir. Sortez. Bref. Vous sautez en groupe à 3 à l'arrière. Ok. Oui, ça fait 3 personnes. Ouais, non,
Fight! Ouais, dans l'eau. Je suis mort, wesh. Comment je suis mort? Ok, vas-y, reste le. J'arrive. J'ai pris une balle. Oui, t'as one. Je peux le raise. C'est terrible. C'est Bibi là qui fait plaimer. Je peux venir à la nage ou pas? Non, surtout pas. Non, moi je reste caché. Moi je fais quoi? Je dans l'eau, qui sont en train de nous regarder. Ouais, je sais. Tu fais quoi? Tu t'étouffes, c'est pas grave? Ouais, je vais nager le plus longtemps. Ah, mais pourquoi ils se sont fait fumer comme ça? Mec, ils ont gigaloot, hein. Ils sont gigaloot, il y a un problème à Nathana, là. Ouais, je pense. Bah, tu veux pas. Faut que je fasse quoi une fois que je rentre dans la porte là? Tu veux pas check Nathana? Tu vas respawn sur le navire et en vrai, tu vas regarder la carte en premier. Tu m'as dit quoi? Tu vas regarder la carte dès que tu respawns. Ok, t'es sûr hein? Ouais, t'inquiète. Je cache mon écran quand je regarde la carte? Non, justement, il a besoin de voir. Ah, ok. Ouais, faut que je vois. Je vais regarder sur stream. Putain, oui, c'est vrai, c'est là-haut. Ils avaient 4 crânes rituels encore. Pour en relancer 4 fois. Tu veux faire quoi pour casse le voyage? Oui. Non, c'est au premier étage. T'as une grande carte. Ils cassent les couilles vraiment. Ok, ils sont toxiques, hein, donc faites attention. Ils sont en train d'insulter derrière moi. Donc mutez le son du jeu, okay, je pense. Ok, je vois la. Y'a un mec qui est arrivé en speed, frérot. Derrière toi. Ok, ouais. Derrière moi. Ok, c'est bon, tu peux lâcher la carte. Mais ils sont vraiment, genre ils insultent vraiment. Ok, t'inquiète. Attends, Len, c'est du FR ou l'anglais? Je sais pas, anglais je crois. Ok, qui insulte, les mecs de base ou les deuxièmes? Non, les deuxièmes je crois. Les deuxièmes, ouais. Ok, bah c'est ce que je pensais à la base. Aussi, hein. Ouais, non mais. Attends, je t'envoie un MP. Oh lol, putain. Ouais, c'est ça. Oh, c'est une sirène, frérot, non, j'en reviens pas. Ah, je me fais attaquer par une sirène aussi. Oh non, ok. Tu vas faire quoi, moi je reste ici? En vrai, là on peut monter sur l'île, je pense. Pour l'instant, rapidement. Tu restes là. Ouais, on joue pas le ship fight là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On est d'accord. Ok. Y'a un mec sur l'île. Ouais. Ce que tu vas faire, Kamel, c'est que tu vas te mettre à la proue là. Tu vas te charger en bouffe. La meilleure bouffe du tonneau, donc dans l'ordre du plus grand au. Enfin, du meilleur au moins bien, t'as ananas, mangue, grenade, coco et banane. Wouah, t'es un roi, t'as ton sirènes, les gars. Tu prends le meilleur île. Voilà. Et puis, du poulet, c'est bien aussi? Ouais, c'est bien. Ok. Tu prends la mangue, le poulet et la grenade, ok. Ok, nice. Là, tu vas te mettre à la proue, tu vas sauter à l'avant et tu vas nager à ton. Et ça, sur moi. La proue, c'est tout à l'avant du navire. Ouais, ok. Ah, mec, comment on est spot. Je vais nager. Tu vas nager. Touché là-haut. Non, tu vas aller vers tes potes. Et comment je sais où ils sont? Ah, bah, ok. Tu vois leur blaze. Il est mort aussi. J'arrive. Là-haut. Vous êtes tous morts là? Là-haut. Cover. Hit. Ah, mais c'est un boss lui. Ouais, c'est le boss. Ouais, là t'as 5 minutes de nage quand même pour aller là-bas. Lui, on touche pas lui. Non, mais là on est spotted. Mec, il faut que j'aille chercher des mines. Là, y'a plus personne sur l'île normalement. Ouais, mais y'a le bateau. On peut vite reprendre des balles, reprendre la nourriture dans les. Mais le bateau il se charge, il va se barrer, frérot. C'est trop triste. Ouais, mais ils vont venir finir le. Ouais, mais y'aura le deuxième client qui aura. Enfin, les clients initiales qui vont revenir quand même. Non, mais même eux, ils vont revenir, c'est sûr. Ouais. Donc là, la situation, c'est qu'il y avait un bateau qui s'est battu contre un autre bateau. Il y a un bateau qui est full loot. Il y a un bateau qui était en train de faire le fort, ok. Et il y a un autre bateau qui est venu casser les couilles, en gros, ok. Okay. Et ce il bateau est venu là. Il a cassé les couilles naturellement ou il est venu. Non, naturellement, je pense. Ok. Et en gros, donc là, il a pété la gueule au premier. Les mecs sont trash talk, qui sont tous nuls. Et en gros, là, ils sont en train de looter, donc récupérer tous les loots qu'ils avaient. Qu'ils ont drop dans l'eau parce que tu sais, le bateau il a coulé. Ouais. Là où t'es mort, Kamel. Et du coup maintenant ils vont probablement donc là maintenant soit on mise sur les loots qui sont dans l'eau parce que derrière toi, Bibi. Parce que et, ou soit on mise sur le fait que bah là c'est le boss donc il reste plus que un mob à tuer et là il y a de nouveau un coffre à tenir.
Regarde ton temps derrière toi, Kamel. Sous l'eau. Oui. Ok. Regarde derrière toi de temps en temps pour voir si t'as un requin ou pas. Le ouais, requin pour le tuer, c'est 3 balles de snipe. Dès que tu le vois, tu l'allumes, tu t'en fous. Sinon, c'est 2 grosses balles de pompe au corps à corps. Par contre, tu feras gaffe quand le requin te met un croc, c'est 1000 HP instant. On saute toujours au-dessus de 50%. Et il y a le bateau qui est en train d'arriver sur le fort là. Le même ? La brigade. L'agresseur ? Ouais. Ouais, l'agresseur. Moi je pense que je spot frérot, le squelette me tire dessus. Il y en a deux qui. Il y en a deux qui viennent de. Ouais. Ah non, il ouais. Spot contre quelque chose. Tu peux le faire, Kamel, t'inquiète. Ah non, j'arrive, j'arrive. Oh. Non, mais je l'ai tué déjà le. Le requin, je l'ai allumé, c'est pas ça, c'est que. Je suis arrivé dans le. C'est dans le ciel et je suis revenu dans l'eau. Pourquoi vous êtes tout en haut ? Pourquoi vous êtes tout en haut ? Parce qu'il y a les squelettes qui gardent en aggro si on est juste en dessous. S'il y a personne sur l'île. Ouais, mais quand ils vont mettre le pied sur l'île, c'est bon ? Y'a un mec sur l'île ? Il faut qu'il les attaque. Y'a deux mecs ! Trois ! Oh mec, j'ai tellement bien fait de me casser. Par contre, ils connaissent les spots. Ils vont 100% jeter une. Bibi, viens, tu me suis ? On saute ? Tu me suis, Bibi ? On saute à l'arrière ou on saute dans l'eau, ok ? Vas-y, vas-y, je te suis. Cours dans l'eau, Non, non, c'est bon ! Si, si, ils vont venir 100%. Senda, moi je dois rentrer dans le bateau, moi ? Non. Tu veux dire le navire adverse ? Ouais. Non, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller vers Bibi et tout, là. Et tu vas te mettre derrière lui. Tu peux manger ou pas ? Ça fait du bruit ? Tu peux manger et casse-toi vite, juste après. Là, ton but, c'est de survivre et de nager. Ok. Comme ça, tu pourras te réinfiltrer en groupe avec nous. Et si jamais il y a une ouverture et qu'il n'y a personne sur le bateau ? Alors là, ça va être compliqué, je pense. Je vais pas te mentir. Vas-y. Ok, ils ont suivi là. Je doute qu'il y ait une ouverture pour l'instant. Reste. Va falloir jouer à 4. Ok. C'est DFR, frérot, je crois. Ouais, c'est ce que... J'ai cru comprendre ça, moi aussi. Ouais, à un moment, le mec il a parlé, je crois. Ouais, c'est. Les gars, j'ai entendu, hein. C'est DFR. Ils savent, frérot. Petite nage, on va pas. La première nade qu'ils ont envoyée, c'est là où j'étais. Et après la deuxième, c'est là où j'étais. Donc là où j'étais il y a 5 secondes. Jure, tu vas devoir revenir à la nage toi aussi ? Non, c'est fini, je pense. T'en penses quoi, Sena ? Je pense que c'est mort. Attends, moi j'ai une idée de qui c'est. Tu peux me faire. Len, tu fais un Windows G, tu mets joueurs récents et tu m'envoies les noms ? Vas-y, si tu veux. Ça en sera vite. Les gars, j'arrive dans 23 minutes. C'est des mecs qu'on connaît. Non, c'est 8 minutes normalement. Non, je rigole, je troll. Ah, t'es à côté en vrai quand même. Nous, sinon, avec Bibi, on est cachés tranquillement. Ils nous ont pas vus. Mais du coup, là, il reste plus que le navire des Français et pas. Ah, c'est ça. Et les Français, bon, voilà quoi. Nous, on est tranquille. La coïncidence. Ok, la forteresse des damnés. Ça veut dire là, c'est bon. Le truc, c'est que là. Kamel, t'es le prochain, je pense. Parle à la sirène, mais pourquoi ? Vous êtes cons, quoi, vous voulez me bait ? Non, fais jamais ça. Et ça, c'est les pires baits pour perdre 25 minutes où je nage, c'est même pas drôle. Ils nous ont vus ? Yeah. Ouais, ils nous ont vus, mais moi, ils savent pas où je suis, les gars. Et on peut le tuer. Ah, je suis mort. Ah, t'es mort ? Non, il m'a KO. Ok, attends, revive pas, je vais essayer de te. Ouais, je fais rien. Wesh. C'est qui m'a tué dessus ? J'ai les blasons. Ah merde. Ok, oui, bon. Oui, ok, j'ai une idée, c'est bon, je vois. Quoi ? Je vois. Oh, on va changer de serveur, je pense. Le vieux baiter là ? Non, soit ça. Attends. C'est bizarre le pseudo en tout cas. C'est du Redbird 100%. Ok. Bon. Comme c'est que j'ai claqué toutes mes balles sur le requin. Kamel. Ouais. Tu vas quitter et tu vas créer un serveur Galion. Ok. Et je vais te rejoindre. Oh, vous allez hunt. Ouais, vous allez hunt quelqu'un là. Et on va faire un naturel là. Parce que là, mec, il y a trop d'FR là. C'est trop. Là, c'est un giga SH. Il est colossal. Hein. Ouais. En gros, je t'explique l'histoire, Kamel. SH. On stream à
Ah. En gros, genre, les gars, on se doutait d'un truc, il y avait un bateau juste à côté, stationné, tu sais, qui attendait. Et en gros, bait quoi, tu sais, genre, on arrive et là, bizarrement, les mecs ils arrivent. Genre, vraiment, les vieux casse-couilles qui puent la merde et qui se lavent pas, ok? Vas-y. Ok, donc, vas-y. Donc, tu peux créer ton serve et je te rejoins. Et t'as toujours le truc que tu m'as dit, hein, sur Twitter. Ouais. Vas-y, attends, je m'en occupe et je te dis. Et ça c'est le problème, c'est que c'est terrible parce que tu peux pas vraiment cacher si les mecs ils stream hack, tu vois, genre s'ils trichent, tu peux pas te cacher quoi, c'est trop chiant. Bah, je peux rien faire, ouais. Vas-y, on va faire ça. Vous n'avez pas eu de chance, on est tombé sur des mecs qui s'étaient déjà fait par un ban du jeu. Ah ouais? Ouais, et vous travaillez chez le Interpol ou quoi, ouais. Non, c'est parce que en gros, en fait, j'ai juste avec les pseudos. Juste avec les pseudos des mecs, en fait, on sait direct. Si jamais c'est des mecs qui jouent beaucoup ou pas, et si jamais c'est des joueurs récents mais qui ont l'air quand même un peu fort, bah généralement c'est des mecs qui ont été pas un bon. Mec, on est des geeks, hein. On est des geeks. Non, mais vu comme vous êtes l'assurance dans votre voix, je vous crois, les gars. Un des gros geeks, mec. Hein. On s'est pas lavé sur SOT pendant 4 ans, frérot. Baby, tu me dis quand c'est bon. Ouais, t'inquiète. Tiens, normalement, Lock, tu peux join. Et après, du coup, vous le joinez. Ouais, vas-y. Calme. Que ouais. Je t'ai même pas en ami, toi. Ouais. Ok, vas-y, je te join. Ouais, tu peux déjà commencer à lever l'ancre, frérot. Check la carte avant, Kamel. Je suis en train de join. La carte. Ouais, check la carte et tu regardes un peu partout s'il y a pas un crâne, ok? S'il y a pas c'est genre. Bibi que t'as join. Non, j'arrive là. Ouais, mais c'est Bibi qui a créé. Moi qui t'ai invité. Ah ok. T'inquiète. Ok. Mais non. Il doit regarder le navire rouge, c'est ça? Il faut que ça Kamel. Il faut que ça Kamel qui lance la game. C'est ça lui? Ouais. Non mais t'inquiète Locke, t'inquiète. Ok. Trust. Hey, come over here. I have a favor to ask. Trust. Vas-y. Non mais au final, en tout cas, ce bateau-là, la cachette, je la maîtrise bien. Bibi, il s'est chié dessus, les gars. Mais j'ai pas compris, je te jure, je pensais que ça allait être comme bah, juste avant, quoi. Ah, parce qu'eux, ils ont dit, on va dock. En mode, on est pirates, nous. Bah moi, j'ai pas... Non mais on va docker le navire. Ah bah oui, bah c'est pas... Ouais, je demande dans la rue aux gens dehors ce que ça veut dire. Si t'es pas sûr, tu demandes. Mais oui, docker un navire, ça existe. Ouais, après moi j'ai compris, bien évidemment, mais... Bibi, il y a un peu de mal. Ok, je suis là. Vas-y, remplissez vos sacs, là, dans tous les tonneaux et levez l'ancre. Attends, il faut que je check la carte avant ça. J'espère qu'on a une petite golden, là. Qu'est-ce que c'est relou, cette animation, là. Y'a plus personne qui fait fortune. On est d'accord, Locke, fallait bien relancer le jeu avant. Ouais. Ouais, bah c'est bon alors, normalement. Ouah, j'ai de l'or aussi. Comment j'ai eu de l'or? Ouah, t'as eu de l'or? Je sais pas, j'ai des pièces là. J'étais à 0,50, je suis à 0,5000. Pour l'instant, on a que des bananes, c'est normal, y'a rien ici. Hein. J'ai des grenades, moi. Sur les avant-postes, tu prends pas mal de ressources. En fait, tu déposes des. C'est pour ça qu'en fait, tu dois remplir ton bateau avant. Il y a un crâne rouge. Attends, lâche la carte. Kamel. Ah ouais? Ah, ouais. Tiens. Ah, faut que je lance le jeu, vas-y. Je crois qu'il est pas du tout sûr. C'est vrai. Ouais, je vois, y'a Sunper depuis tout à l'heure, je suis trop con, moi. Y'a personne. Et pourtant, je l'ai rejoint comme ça, moi. Je dois relancer. Qui? Attends. Bah, vu qu'il y a personne. Attends, laisse-moi juste check. Check les émissaires, Alan, vas-y. Ah ouais. Émissaire Athéna, y'en a pas. Non, y'a personne. Et y'a pas un nouveau crâne, un nouveau crâne dans le ciel ou un nouveau truc pour les nouveaux forts? Si, t'as des forts solitaires là, à faire. Et aussi, j'ai rejoint et il y avait personne. Je me suis dit, il y a Sunper. Pourquoi tu les en es faire un fort là? Non, on va chercher un truc naturellement. Non, il est bien, c'est bien. Restez là, les gars. Trouver des types. Vas-y. C'est très bien. Non, c'est très bien, frérot.
Mais je sais pas comment ils font, mais ils ont trop d'informations, les gars. on peut pas te dire, frérot. On peut pas. Ouais, si tu veux, off-stream, je peux tout te dire. Stride 4, c'est une Stride 4 sur l'île là. Ils sont trop chauds, ces bâtards. Ah, c'est bon, je suis là, les gars. Pendant que moi, depuis tout à l'heure, j'étais sur un serveur tout seul. Comment ce game? J'arrive. Vas-y, on y va. C'est parti, les gars. Là, t'es là-bas? Il prend des caisses, là. Okay. Enfin, des caisses? Je me barre, là. Hein. Hein? Je vais où, là? Je vais... Il y a des ressources, on peut les prendre. Nord-Est, Nord-Est. Wouah, ils sont loin! Tout late, c'est pas grave. Ah, mais de toute façon, on va, on prend la ouais, sirène. La sirène. Ouais. Eh ouais, pas peut-être, j'ai pas eu peur. Ok, alors, les gars, il faut juste orienter les voiles constamment. Et là, l'objectif, c'est de, avec vos loups, une fois que vous avez rien à faire sur le bateau, on va chercher, on va aller sur Nord-Est et on va chercher un navire. Et si un navire. Nord-Est. On y va, ouais. Okay. Ça va être un peu short là. Recheck les émissaires, Hélène. Pour voir s'il y a des gens sur ça ou non. Y'a rien. Et hop, des grenades à KO. Ouais. Et on va se battre contre qui là? Contre un fantôme? Mais mec, t'as pas idée. J'ai activé mon petit USP là, clic-clac. En quoi? Mon USP. Frère, okay. Elle est où la sirène? Mon petit cheat engine là. De toute façon, il n'y a pas d'anti-cheat sur le jeu, donc vous pouvez cheater, allez-y. Hein. Vous pouvez tous le cheat. La bonne pub, je sais pas. En plus, nous, on est habitués. Hein. Ouais, on est habitués. Hein. On a les bots, on a tous les cheats, les gars, donc n'hésitez pas. Un petit script, ça fait jamais de mal. Ouais, la sirène. Moche, elle est moche. Et on charge les canons. Non. Je rigole. Mais non, on charge pas les canons. Je rigole, les gars. Tiens, là, une petite droite, c'est là, une petite droite. Ouais. Tiens, hop, j'oriente les... Ah, merde. En train de poser des petits retours. Tu vas voir, j'ai confiance. Je vais t'écrire un truc, Sandra. Vas-y. J'ai arrivé sur SR, j'ai activé mon petit USP. J'ai vu un peu les gens qu'il y avait, les pseudos et tout. Le nombre de coffres qu'il y avait. On est obligé, hein, on est obligé, les gars, on est obligé. On est français, on est obligé. Les gars, je vais me prendre la visu. T'es en haut? Ouais. Ok, alors là, tu zoomes avec ton snipe ou ton. Ou ta loupe. Ouais, je sais, avec ma longue vue. Voilà, et là, tu me trouves un bateau, frérot. Tu me trouves un bateau, okay. Frérot, c'est le Graal. Dès que tu vois un bateau, frérot, c'est terminé, c'est la joie, là. Les gars, c'est un bateau? Non, c'est pas un bateau, ça. Ouais, fais gaffe, il y a vraiment des cailloux qui ressemblent de ouf à des mâts, des trucs comme ça. De toute façon, le chat, il va me hurler dessus si je dis un bateau. Non. Non. Le chat, il te dira jamais si c'est un bateau, frérot. Ce sera souvent des bateaux. Bah ouais. Y'a un fort normal à gauche. C'est bien ça, les yeux verts? Je suis même pas sûr quoi du qu'ils font ça. Putain. C'est terrible quand même, les devs. Pourquoi y'a des trucs, ça brille dans l'eau? Est-ce qu'il y a des loot? C'est des piscines. Ouais. Hein? Ah, en gros, c'est des regroupements de tonneaux, donc y'a des ressources, mais parfois t'as des petites gemmes dedans aussi. C'est pour ça que ça brille. Ah, ok, d'accord. Ah, ok. On appelle ça des piscines. RAS pour l'instant, les gars, RAS. Ok. Je regarde à bas bord. En vrai, passe nord-ouest plutôt, non? Parlez français, bande de briques. On est obligé, frérot. Parce qu'il y a des gens qui streamac, on est obligé, frérot, de parler en langage codé. French cheater. Oh, tu veux qu'on comme en anglais? Codé, il a dit. Ok, Kameto, are you there? Yeah! Ok. I'm going to the right side. Do you see a navire? Nothing in sight. Oh, you have the English accent. Yeah, I'm from Texas. No. Did you do the Oxford? Or Harvard? What do you mean? J'aurais pu la faire, sa grand-mère. Je faisais l'accent texan trop bien. Hein? Trouve un navire, je t'en souviens. Non, mais y'a rien pour l'instant.
Comment t'as fait pour prendre ça là? Si j'ai juste appuyé sur A. Oh non. Quoi? Ouais, quoi je suis la navigation, Belek. Ouais, on est en train de faire des ressources là. Les gars! Quoi, quoi? Ouh! Fausse alerte, fausse alerte. Ok. Putain, vous cassez les couilles. Comment ça, fausse alerte? Ah, on aurait dit un navire, no joke. Mais comment ça? Mais si, c'est un navire, wesh. Hein? Ah, c'est un navire à gauche! Mais c'est totalement un navire. C'est quoi? C'est un galion. Yeah! Baby! Let's go! Let's go! Ok! Il fait quoi? Il fait quoi? Pendant 30 minutes. Il l'a fixé. Il fait quoi? Mais ouais, je me suis dit, il y a trop de voile, wesh, t'as abusé. Les gars, il est à gauche, je le vois encore, hein. Ok, Len, t'es dessus? Vas-y, oh, le bateau, il fuit. Lockez-le, je répare. Lock-le. Je répare. Je trouve un bateau. GG, frérot. Heureusement, il y a Senda qui a vérifié. Il est à gauche? Ouais, il est encore à gauche, ouais. Il doit être full, ouais, comme ça. Il s'éloigne, hein, la team, hein. T'inquiète. Derrière, je suis prêt, je crois. Tu vois le mur de rocher, là? Il est derrière ça. Yes, on peut relever la voile du milieu pour tourner un peu plus vite. Vous avez besoin de moi pour les voiles, ouais? Ou sinon je reste en observation. Non, c'était en haut, reste en haut, tranquille. Regardez, le crâne, il a eu les yeux jaunes là d'un coup. Bah, c'est la corde à l'avant, ouais. Nickel. Il est où? Il est à gauche ou devant? Il est devant? À gauche encore. Il est là-bas, ouais, je le vois. Dans la direction du crâne. Ouais. Je vais vous donner la position exacte, capitaine. Nord-ouest, entre ouest et nord-ouest. C'est ouest-nord-ouest. Ouais. Et on peut mettre les voiles au vent juste après. Voile au vent. Nickel. Ok, un galion, c'est trop bien. Donc c'est parce que d'une, pour se cacher, c'est mieux. Et parce qu'il y a plus de cachettes et ça nous donne plus de flexibilité. Et en plus, il y a plus de joueurs, donc plus de chances que de hot mic. Ok. Yes. Ok. Les amis, je sais pas s'il vient dans notre direction ou à l'inverse. Il a pas l'air. Crois, hein. Ils ont l'air trop nuls parce qu'ils vont pas vite, no joke. Ah, mais mec, ils vont faire le fort, c'est sûr. C'est sûr, ils vont faire le fort. Ou sinon, ils check, mec. Oh là là, imagine que c'est un checker. Imagine que c'est un mec qui check les forts pour nous, frérot. Oh là là, combien de fois ça nous est arrivé ça? Ah, mais c'est des mecs ça, ce que je fais l'Interpol. Vous envoyez des petits navires partout pour trop. Oh, mais c'est trop fort. Exactement, frérot. Bah ouais, bah ça, c'est service de renseignement. Tu vois, sinon c'est trop galère de trouver. Ah non, logique. Alors, logique. Alors j'ai donné une petite anecdote, frérot. Donc tu vois les devs de Sea of Thieves, j'ai un très mauvais passif avec eux, ok. Genre, okay. Donc je les rencontre à la TwitchCon 2018. Et donc je vais les voir et tout, je leur fais ouais salut et tout, c'est moi le pire, tiens, genre je me présente, tu vois. Et ils me font ouais bon, on te connaît et tout, et ils étaient hypés, tu vois. Et attends, donc je t'interromps, mais il y a un bateau à droite aussi. Ouais, il y a une petite soupe à droite si ouais, vous voulez. Oh la régalade. On va à gauche sur le galion ou à droite sur la soupe, comme vous voulez. Mec, on va d'abord passer, on va faire un petit passage pour propulser Kamel et moi sur la soupe. Bibi, tu peux venir aussi. Et ouais, on se met à 3 sur la sloop. Et toi, tu vas direction Galion, ok? Ah, Galion, il est stoppé, frérot. Ouais. Mais il est pas d'ailleurs Galion. Quoi, Nico? Non. Non. Il est à l'île où il y a rien. Ah, on se projette avec le canon vers la sloop. Attends, je te dirige. Le Galion, Lone Cove, hein, Lone Cove, frérot. Lone Cove, mec. Et pourquoi je suis long comme ça? Vous êtes sûr, Lone Cove? Lone Cove, sans. Il est au K9, non? Ouais, il est au K9. Il y a rien là où ils sont. Ok, attends, on est un peu un loin. Clef, gros. Ouais, je vous rapproche. Tu peux le rapprocher? Ouais. Il bouge, rapproche pas. On peut mettre les voiles au vent, légèrement tourner à gauche. Okay. Voile au vent! Il arrive droit sur nous, frérot. Yes. Hop, mettez toutes les voiles au vent, tu veux? Non, Kamel, Bibi, venez là, proue. Je suis à la proue. Je suis à la proue, je leur rentre dedans. Tu penses? Non, là. Ok, sautez. À mon commandement, vous sautez, on va viser l'échelle de droite, ok? Go. Remontez vite à la surface. Bourinef. Let's go. Je mets l'ancre. Le tue pas. Ah, mais tue pas. Pourquoi il l'a tué? Tu es pas, cache-toi. Désolé, wesh, mais il nous a vu quand même. Cache-toi, non, il voit rien, il s'aveugle.
Cassez-vous vite! Kamel, il a tout top. Ok. Ah, désolé, voilà, j'ai. C'est bon. Il a assassiné. T'inquiète, 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 ils ont rien vu. Pourquoi il a tué? Là, là, tu vois, Kamel, tu peux faire des bruits chelous. Là, tu peux faire des bruits chelous, mais attends un peu encore. On va les faire mariner. C'est le roi des noobs, lui. Ah, ouais, let's go. Là, je t'explique, mec, t'as vu leur tenue? C'est méga noob. Frère, je suis venu, balle de snipe, balle de pompe. Et... je me suis dit, il va nous voir quand même. Regarde, regarde, regarde. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Attends, ils ont peur. Un jour, frérot, il y avait des enfants, j'ai mis une voix de fantôme. Ils ont tous quitté d'un coup, ils avaient trop peur. Oh, il nous a pas vu là? Oh la non, il l'a pas vu, il l'a pas vu. Oh la il Là, il veut réparer, là, il veut réparer. Eh, c'est ça. Oh, mais ta voix bizarre et dis, you should repair the bow. Attends. Mec, on vient de les exploser, donc on laisse redescendre un peu parce que. Ouais, c'est vrai. Mec, on a l'habitude, tu sais, genre de titiller un peu les gens. Et généralement, quand tu vas all-in dès le début, les mecs ils craquent tout de suite, tu vois. Donc là, on attend longtemps. Mais regarde, ils ont pas compris qu'il fallait réparer le bateau. Attends, Kamel, je vais te donner un exercice. Ok. Vas-y. Alors, là, en gros, regarde, là depuis tout à l'heure, il jette l'eau contre le mur, ce débile, ok. Donc, je te donne un exercice, ok. Là, ils vont redémarrer le bateau. Ouais. Et quand tu vas redémarrer le bateau, tu vas dessiner une top sur leur carte, ok. Ok, vas-y. Attends, je vais te donner mon go, Vas-y, t'inquiète, je regarde la carte, de toute façon. Mais on n'a pas le droit de dessiner ça sur Twitch, non? Mais c'est des ronds, frérot, y'a pas de top, y'a rien. Ah, ok. Genre, t'as cru que t'allais faire des détails et tout? T'as cru que t'allais la détailler? Ah, mais no joke, y'a quelqu'un qui s'est fait ban pour ça. Genre des ronds? Non, mais pour avoir dessiné un zizi, mais je sais pas s'il était. Non, mais il a bien dessiné le zizi avec les détails, frérot. Ah, là, ouais, okay. Là, au pire, tu dis que tu disais T comme T-Corp, tu vois. Oui, bien sûr, je ne dessinerai pas. T-Corp, la T-Corp. Ouais, la T-Corp. Il est tombé dans l'eau. Ouais, attends, il fait les ressources. Len, il y a moyen que tu te postes à côté du galion et tu nous dises où. Alors, là pour le moment, j'ai énormément de trous donc je suis en train de lutter pour pas qu'on coule. Oh merde. Ça va. Merde. Franchement, ça va. Ok. Si tu t'en sors pas, je viens. Oh, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok. Attends. Dès que j'entends le bruit de l'échelle et que j'entends le bruit de l'encre. Dès que j'entends le bruit de l'encre, frérot. Kamel, dès que t'entends le bruit de l'encre. Donc toi, tac, comme ça, tu vois. Ouais. Tu cours vers la carte, tu mets deux ronds sur les côtés, après tu fais un chibre. Ah, t'inquiète, je fais une forme géographique. Ah, tu fais une très très jolie forme géographique. Tu leur montres la voie, quoi, tu fais une flèche, quoi. Vas-y, t'inquiète. Vas-y. Il est lent, ce lait, frère, ils font quoi, là? Eh les gars, là, eux, c'est des débutants de malade. Les gars, vraiment, je vous le dis, c'est des giga débutants. Ça pourrait être moi, là. Non, impossible. Impossible. Ok, regarde. Ah non, bah en vrai, okay, on les a tués, ils ont même pas cherché. Ah ouais. Ok. C'est magnifique, magnifique. Oh, ils sont beaux, ils sont très très beaux. Ah, ils se doutent de rien. Mais il y a le mec, il est encore dans l'eau, là-bas. Oui, parce qu'en fait, dans l'eau, il y a des ressources, c'est ce qu'on avait dit, là, il y a une piscine. Ok. Une piscine. Mais là, je suis en train de me poser la question. On pourrait même se faire passer pour des PNJ. Je pense que ça marcherait. Bah là, je pense vraiment. Vas-y maintenant. Check autour de toi. Juste. Vite, reviens. Elle est bien. Il t'a vu. Il cherche. Il t'a vu. Il regarde la qualité du loot. En plus, son perso, il est trop drôle, wesh. Il a regardé la qualité du loot. Non mais il a dû se dire c'est un bug. Non, tu sais ce qu'il a dû se dire, il y a des caisses qui ressemblent exactement à ça mais sans le rouge. Et il a cru que c'était une caisse de stockage où il pouvait stocker des trucs dedans. C'est un giga noob. Ok. Parfait. Il vient de te voir et là il se fait à manger normal. Non, il fait cuire une banane là, les gars. Il découvre le jeu. Non mais les gars, il découvre le jeu, c'est sûr. Les gars, c'est trop. Non là il nous a vu là. Non, il a rien vu. Il regarde juste le bocal d'eau. Non, je pense qu'il nous baigne. Il a rien vu. Wesh. Il mange la. Ah là, il nous a vu là. Là, il nous a vu, c'est obligé. Il a rien vu, frérot, je t'assure. Il a rien vu. Je te jure, des fois, tu tombes sur des gars. Regarde la map.
Ah mec, je te jure, dès qu'ils vont remonter l'ancre, ils vont regarder la main. C'est le pattern. Il remonte l'encre. Ok, bougez pas les gars, il va tomber une année avec la map. No joke, en plus j'ai fait une belle forme. Ah ouais? Ouais. Genre une forme genre droite ou... Non mais il y avait plein de sous à cercle. Mais de toute façon c'est tellement un noob, wesh, on l'a tué qu'il s'en bat les couilles. Bah ouais, ah, mais c'est ça, il comprend pas ce qui s'est passé, ils comprennent pas ce qui vient de se passer. Et Len, on en est où? Moi c'est bon, tout va bien. Et le gaillon, il en est où? Le gaillon? Ils ont pas bougé. Mec, honnêtement, je suis chaud que t'ailles checker, frérot. Si tu peux. Vas-y. En plus, là, on peut s'amuser avec eux et après. Mais attends, mais le gaillon, je l'ai vu là. Alors, le gaillon, je t'explique. À part si c'est un autre. Alors, soit. Il y a un gaillon en face. Oui, oui. Soit eux, ils vont nous ramener au gaillon. Non, nous, on est derrière. Attends. Attendez, le chat, on est d'accord là. À un moment qu'il y a eu une vague, il y avait un bateau en face. Bah après c'est pas grave, on a la vue. Len il peut regarder hein. Tu nous vois encore Len? Non. Si, il y avait un galion. Je sais pas si c'est un galion ou une bringue. Je sais plus comment ça s'appelle frère. T'as une brigue une brigue. Len, il y a une brigue à droite là. Ouais, je pense qu'elle fait... Y'a moins qu'elle fasse le fort. Tu la vois pas? Je crois qu'elle fait fort hein. Peut-être ouais. Attends, j'ai pris un truc pour voir. Je pense qu'ils sont là en fait. La brigue? C'est pour face. Attends, j'ai pas vu là. Bibi, hein? Bibi. Ouais. Ah quoi? Non, c'est toi. Ah, c'est toi. Ah oui, c'est moi. Elle est montante. Je me suis recaché direct. Elle est pas descendante, frérot. Elle est montante. T'as dessiné, genre, j'ai jamais dessiné comme ça. Ouais, j'ai toujours fait en descente, pas en montée. Quel galion a dispawn? Comment ça, tu l'as fait en descente? Bah, tu sais, genre, je l'ai fait dans le sens de la gravité. Ah, j'ai quoi. Compris, mais comment tu t'es dit, je vais la faire en descente? Il était juste là! Mais lui, je m'en bats les couilles. Non, mais attends. Qu'est-ce que t'as fait là? Il s'est levé. Oh non, mais t'es allé dans le nid de pie, frérot? Non, j'étais juste devant là. Ah, il est venu devant la map. Attends, ils ont mis l'ancre et là, ils sont en train de regarder à côté. Len, t'as des infos? Le gars. Il me regardait pas. Hein. Elle était dos. Okay, non, mais t'inquiète. Là, ils sont arrêtés. Je pense que c'est une île à eux pour déterrer le coffre. Je pense. Ouais, voilà, c'est pas. Je vois un galion, frérot, près du crâne. C'est moi. Mais okay. Je te jure, tu peux te lever, tu peux y aller. Non, attends, je te dirai. Je suis à l'extérieur déjà, moi. Je te dirai. Kamel, à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est. Tu te rappelles la cachette Senda que je t'ai dit là? Sur le rebord là? Ouais. Ouais, là bah, tu vois où je suis, ouais. Ouais. Ok, quand, à mon go, tu peux venir sur moi. Mais fais gaffe, tu te fais, tu tombes à l'eau, c'est fini, frérot. Ok. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, maintenant. Oh putain. Dos au mur. Pas trop dans le vide, frérot. Oh mon frérot. Tu peux te redresser, s'il te plaît? Genre, mets-toi droit. Dos au mur, droit. Ok. Parce que là, tu pendouilles à droite. Tombe pas frérot, tombe pas, je te jure, tombe pas. Regarde par terre, hein, tombe pas. Ok. C'est good? Ouais, c'est good. T'es un peu à l'extérieur, mais ça devrait le faire. J'ai juste pas envie que tu te fasses beaucoup. Ah mec, on est tombé sur des giganoobs. Ok. Là, ils sont sur l'île, je pense que je vais leur faire peur. Ah, faut que tu leur fasses peur. Là. Attends. Je sais plus lequel j'ai utilisé, frérot. Bien ça? Ouais, là c'est parfait. C'est quoi qu'on voit? On dirait un démon. Ok. Welcome to the Sea of Thieves challenge. Il est perturbé. Il est perturbé. Dis-lui de danser. Dis-lui la première étape, c'est de danser. Déjà, viens. Frérot, s'il te plaît. T'as fait une œuvre d'art, je vais lui dire de regarder ton œuvre d'art. Ouais, j'avoue. Ah merde, attends, j'avais la voix de merde depuis tout à l'heure, désolé. Ouais, t'inquiète. Ah bon, on tank. To find the treasure you've never seen before, check your map.
Ah, faut qu'ils viennent. Faut qu'ils viennent. Y'a moyen qu'ils ont pas le son du micro? C'est durement possible. Franchement, c'est... Je pense que là, ils capent, frérot. Là, ils sont complètement FK, frérot, ils capent, là. Non, mais là, ils zooment avec le... avec la longue vue. Il est à la proue, là. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, là. Et peut-être qu'il cherche d'où vient la voix. Non, parce que la voix, en fait, elle est très bien localisée. Donc, normalement, ils devraient savoir, tu vois. Ils sautent dans l'eau avec leurs armes, là. Frérot. Ok, attends, on va voir ce qu'ils foutent, là. Non, mec, ils doivent se dire que ça vient de l'île, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Attends. Ok, donne-moi leur poste, je vais... Oh non, c'est pas grave. Ils vont vers l'île, là, t'inquiète, ils regardent pas vers nous, de toute façon. Okay. Ils arrivent à l'île. Y'a pas un déguisement où je peux me déguiser en squelette? Senda? Un déguisement en squelette? Ah ouais. Y'a un truc, mais c'est payant, quoi. Ouais, je m'en fous. Ouais, mais comment tu vas l'avoir, le déguisement payant, frère? Mais j'ai déjà acheté masse déguisement de PNJ, mais j'aurais dû en acheter plus, putain. Ils sont où, Kamel? Ils sont loin encore, ils sont loin. Okay. Ils sont sur l'île, là. Coffre de vêtements, on check les costumes. Ils check l'île. Check your map for further information. Et ils t'entendent de là, là-bas? J'ai utilisé ma... tu sais, mon parleur, là. Ah, ouais. Mais le costume Reaper, tiens. Ils ont réagi ou pas? Mais... Dis-moi s'ils reviennent là. Ils reviennent. Il y a un mec qui revient là. Il a un coffre, il est encore loin. Ok. Il est encore loin. Tu me dis. T'entends. Il arrive. Première bientôt. Fois que tu joues au jeu, t'entends ça, tu crois? Ah, mais là, il vient me voir là. Non, impossible, t'inquiète. Ils sont où les costumes, Zana? Coffre de vêtements. Bientôt, il est bientôt. C'est le premier slot. Il y en a qu'un. Il arrive à l'échelle là, il monte. Ok, putain. Il monte. Ok, j'ai caché, j'ai pas le PNJ. Il pose le coffre. Oh, il arrive vers vous là. Mec, il ouais, a pris un coffre de feu d'artifice. Non. Je te jure sur la vie, frérot. C'est un malade. Hein. Change les feux. Il ressaute. C'est un tout petit peu trop, on comprend durement. Il avait son sniper l'autre là, il a snipé vers moi. Ok, attends. Je vais mettre cet effet, les gars. Comme au bon vieux temps. Ok, je suis en mouvement, Kamel, tu me dis. Ok. Ils sont sur l'île. Premier onglet tous, mec. Safe. Hein? Non, tu sais, t'as un truc de vêtements, t'as un onglet juste à droite là, attends, pas dans tous. Putain, je regarde. Et t'as un truc où t'as des costumes. Le truc rouge là, c'est un squelette là-bas ou c'est un méchant? J'ai un costume de War Smith, frérot, ténébreux. Oui, c'est ça. Vas-y, prends. Ok, c'est bon, et Bibi, je ressemble à quoi là? T'es un squelette. Ok, comment je marche? Contrôle. Kamel, ils sont où? T'appuies une fois. Ils se battent sur l'île. Ils sont en train de faire un squelette cendré là. Ok. Tu vas te mettre là? Ah, je vais mettre en squelette, ils vont me tirer dessus. Attends. Si, ils vont me tirer dessus, non? Ah, y'a moyen, ils vont tirer dessus. Ah, ils vont tirer dessus sur mon squelette, frérot. Viens à côté de la map et dis I'm a friendly squelette dès qu'ils reviennent. Ouais. Mets-toi devant la map. Attention à l'AFK, mais non, mais ça va là. Ça va, je te dirai. Mais n'hésite pas à faire échappe par la bande juste pour le truc. Vas-y. Attends, qu'est-ce que je voulais faire là? Oh merde, j'ai oublié. Ah, le marché, ton marché. Tu me dis, hein, Kamel, je suis en mouvement. Contrôle. Ouais, ils sont loin, t'inquiète. Ok. Marché supprimé. Ok, il y en a un qui revient. Je marche là? Ils reviennent à deux. T'as le temps, t'attends. Tu cours. Là, je marche. Là, tu marches. Ok, je l'attends. Vas-y, tente. Au pire, on va au galion après, de toute façon. Vu qu'ils ont pas de micro. Ah non, ils sont mythiques. Ils sont bientôt là. Là, tu marches, c'est bon. Welcome to the Sea of Thieves Challenge. To find your way through and find the treasure you've never seen before, check your map. Il va te taper, non? Hello, weary traveler. Check your map. Il a checké ou pas? Non, pas encore. Il cherche la map, je crois, ils savent pas où c'est. Hello, Montre-leur la map. A treasure you've never seen before. Check your map. Ils comprennent rien, ouais. Welcome to the Sea of Thieves Challenge.
to find the treasure you've never seen before. Check your map. Et il est terré. Il a sauté. Il va te mettre. Il va te frapper, mec. Il va te frapper, je pense. Il danse. Mais pourquoi il... Répète encore. Welcome to the Sea of Thieves challenge. To find your way through a treasure you've never seen before, check your map. Hey, check la map, check la map. Check la map. Il check. Attends, mais il check partout. Mais il a pas compris qu'il y avait un zizi. Nice. Make your way through Galleon's grave. Attends, il a remis un mot sur la main de zizi. Peter Ross, he will give you further instructions. Et là, ils ont checké la map, mais ils sont à fond sur la map, ils sont à fond sur la map. Ah, ils cherchent la map depuis tout à l'heure. Ah, j'arrive plus à respirer. Nice. Et regarde, il est revenu vers toi. Go to Galleon's grave to try and feed our wolf. He will give you further instructions. Good job, pirate. Ah, je suis mort. Il revient check la map. Oh putain, c'est une dinguerie. Il faut que je formule la phrase dans ma tête avant. T'inquiète, prends ton temps, t'es un PNJ. Mec, il faut pas que tu rigoles quand même, tu me butes, frérot. Désolé, mais... Attends, comment on dit queue éclaboussante en anglais, les gars? Quoi? Alors, gros, il y a des poissons, je vais leur dire de pêcher, frérot. Vas-y. C'est fish? Ouais. Attends. I will need the biggest fish you can find. Ouais, en vrai, essaye de les faire parler. Ouais. Non, c'est impossible là. J'ai et pas Splash Tail pour. Ah, je te jure que là, ça a l'air d'être possible. Ouais, Splash Tail. Okay. J'ai vraiment l'impression que ça a l'air d'être possible là. I'm gonna need a Splash Tail for fisting. Thank you. C'était nul. I'm gonna need a splash tail for fishing, thank you. Check your map. AFK, ah, déjà, ouais, ils ont mis 5 minutes. Ils ont mis 5 minutes à checker leur map. Mais il est con. Il a pompé dans le mur. Mais lui, il est. Il est bourré à la mort, le. Je sais pas s'ils m'entendent. Si, ils m'entendent, parce qu'ils ont checké la map, frérot, c'est sûr. Ah oui, ah, non, c'est sûr, ils m'entendent. Ils ont checké la map. Est-ce qu'ils ont effacé la top, frérot? Je crois qu'ils l'ont effacé, ouais. Okay. Bah, ils ont mis. Il y a plein de nouveaux ronds. Il est au deuxième. Oh, il est en bas, Attends, quand elle récupère de l'eau, elle a récupéré de l'eau à côté de moi là. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle me l'a jeté dessus, wesh. Elle m'a vu, je crois là, non? Non, non, elle essaie de découvrir le navire. T'as vu là? Le regarde là, le regarde là. Là, le regarde là. Ah ouais? Le regarde là. Ah, je suis obligé de lui parler là. Le regarde. Zakraken, watch out! Behind you! T'as dit quoi? J'ai dit le kraken, j'essaie de la déconcentrer. Non mais là c'est pas là, c'est impossible. You will find multiple monsters on the Sea of Thieves. Watch for the kraken, my friend. Dès qu'il se retourne, barre-toi, Kamel. Attends. Non, Kamel, il faut qu'il reste là. Ils sont où? Non mais elle a appelé, elle lui a dit viens voir, il est devant moi. Il est devant lui. Je suis obligé de me lever, de leur parler. Vas-y. Hello guys. Oh, non, putain, je suis tombé. Arrête le bateau. C'est bon. My will traveler, there's a kraken on want. Watch out. Vas-y, je gagne du temps. Non, fais pas ça, ils vont me tuer, ouais. Je gagne du temps. T'inquiète. Vas-y, okay, maintenant, reviens vite. Je bombarde. If you keep going this way, the kraken will attack you, my friend. Watch out. Ils repartent là, non? Attends, j'ai remis l'encre. Ouais, j'étais juste à côté. If you keep going this way, the kraken will attack you. Watch out! Watch out! Ils remettent l'encre, frérot. Vas-y, tu penses que je me recache? Non, ramène. Ouais. Viens vite, descends. Merde. Et je sais pas, fais-toi passer pour un mec genre qui a besoin de nourriture, j'en sais rien, tu sais, genre. Hello guys, I need food. Pose ton arme. I am friendly, guys. Oh, j'ai une idée, fais genre t'interagis avec moi, genre je suis un PNJ.
Welcome to the Sea of Thieves challenge. To find your way through and find the treasure you've never seen before, check your map. Okay, can I check the map? Okay. Comment on efface les ronds? Faut qu'ils arrivent à activer leur micro, les gars, c'est ça mon nom. Nah, ils en ont pas, frérot. Là, on est sur des débutants plus max, quoi. Do you have food? Oh non! Elle a déco! Ils ont quitté, frérot, ils ont quitté. GG, les gars. Ah merde. Ouais, ils ont eu peur de toi, Kamel. J'étais cramé, de toute façon, j'étais cramé. Ouais, mais mec, en fait, genre, c'est ça le problème de cette pause, c'est quand ils veulent écoper, c'est par là. Parce ouais, c'est ça, en fait. Il m'a jeté de l'eau dessus! Mais non, putain, là, c'était trop marrant. Les deux cas, c'est vrai, non. La prochaine fois, là, c'était vraiment les rois des noobs. Ah, mais ils ont pas supprimé la top, frérot. Mec, genre, on est tombé sur un crew, frérot, qui supprimait la top à chaque fois. Et à chaque fois, on la remettait, gros. Ils pensaient qu'il y avait un fantôme sur le navire, mec. GG. Putain, c'était le boulot. Et là, il y a quoi sur le galion? Y a pas de galion, mais par contre, je suis sur une sloop et ça a l'air d'être un débutant également. Il est juste à côté de notre bateau, si vous voulez venir. Il nous a pas vu. Vas-y, ok. Vas-y, sautez à l'eau, les gars. Sautez à l'eau. Attends, avant de sauter à l'eau. Mets l'encre. Ah putain. Ah, vous êtes tous sautés? Non, c'est bon, okay. je suis monté. Mets l'encre et check autour s'il y a rien. Parce que comme ça, on peut couvrir plus de territoire si on a deux bateaux. Comme ça, je check. Bah là, tu regardes autour avec la loupe. Ouais, je peux te mute moi, IG? Ouais, alors ouais, échappe, en effet, équipage, tu cliques sur mon pseudo et tu fais couper le chat d'un membre. J'ai ancré son bateau et j'ai déconnecté, il est juste à côté d'une autre, vous pouvez vous catapulter à gauche, par-dessus le rocher. Je prends quelqu'un long, le dernier? Ouais, le dernier est à gauche. Ouais, c'était quoi la suite de l'histoire? T'es encore dessus? T'es encore dessus, Lend? Non, j'ai déco. Attendez, les gars. Pourquoi t'as déco? Il a démarré là? Ouais, mais j'étais obligé. Il me regardait et du coup j'ai déco. Direct. Ah ouais, c'est relou, là il bouge. Là je reviens. Mais il est vraiment dans le début. Il y a un bateau à côté de moi. C'est quoi? Enfin, je pense que c'est un bateau. Non, mais ouais, c'est un bateau, mais je sais pas c'est lequel. Je sais pas. C'est un big bateau ou un petit bateau? C'était un big bateau, mais le petit bateau il s'est détruit là. Senda, tu confirmes? Comment? Le navire qui était à côté de nous? Non, là, chez Bibi. J'ai pas le pof de chez Bibi. Il a pas la POV. Ok, Kamel, prends la POV. Tu m'as POV? Bah vas-y, si tu fais un sur le bateau, moi je suis sur le bateau déjà. Vas-y, et prends le canon de gauche. Le canon de gauche, le plus à gauche. Et tu te mets le plus en l'air possible et tu voles. Ah, le plus à droite du coup? Non, le canon de gauche, le plus gauche. Mais c'est qui Banana? C'est toi qui mets l'encre là? Non, c'est moi. Par là, il peut y avoir des bateaux de bottes ou pas? Celui-là. Ouais, celui-là. Je vais raconter l'anecdote, les gars. Juste attendez, il faut qu'on setup là. Il faut qu'on setup. Voilà, dans cette zone, il peut y avoir un bateau de bottes ou pas? Ok, mais le bateau il bouge, ouais. Non, c'était un gros bateau avec de la lumière dessus. Putain. Ah, il y avait genre des lumières bleues et vertes? Ouais. Là, ça c'est un bateau squelette. Démarre. Ouais, je démarre. Je démarre direct. Y'a une sirène ici, Ken, à côté de moi. Tiens, ça qui est fun dans le jeu, tu peux vraiment, genre, le gars, quand il découvre le jeu, tu es pas obligé juste de les tuer, tu vois, tu peux interagir avec eux. Bah, c'est incroyable. Et c'est vocal de proximité. Hein. Ok, je suis là, Len, t'as besoin quoi? Bah, c'est la base. Rien pour le moment. Garde la voile droite. Nickel, comme ça, ouais. Plus à gauche, Len, plus à gauche. Ouais, c'est en train de tourner. Check your map. Ça faisait réaliste ou pas? Ah, de fou. Ok. Parce que la première fois, on m'a dit que ça faisait pas trop réaliste. En fait, pour que ça soit vraiment réaliste, il faut vraiment que tu répètes comme t'as fait là. Ouais. Genre limite un timer. Watch out! Oh mec, ça a l'air vraiment... Mais imagine s'ils avaient eu le micro, c'était ouais, le micro, ouais, généralement, c'est... Mais c'est rare d'être aussi noob avec le micro, je te le dis. Là, ah, vraiment, mec, c'était... J'avais pas vu ça depuis 3 ans, tu vois. Mais là, il bouge plus, là? Non, il est face au vent. Et du coup, c'est... Tu vois, là, le vent, il est contre nous. Ah ouais, okay. Et donc, il va plus vite que nous face au vent. C'est l'enfer. Mon skin, c'est pas grave, les gars, mon skin. Justement, je vais refaire passer un noob, je vais me refaire passer un PNJ.
Ah putain, je brille. Mais là, s'il se décale et qu'on tire au canon, on y arrive. Vite fait. Mais c'est un gros risque. Et on dirait vraiment il avance pas. Hein. Ah ouais, bizarre. Ah, ça, c'est les pires poursuites, mec. je viens de me rappeler, il y avait un clip comme ça où j'étais terrifié. C'était avec Côté, je crois. Il avance, là ? Bah ouais, il avance. En vrai, attends, je suis pas sûr, hein. Eh, je conduirais pas. Il coule ou quoi ? Il coule, hein ? Bah, il est en train de couler, là. Il est en train de couler fort. Si, il coule, là. Non. Non, il coule pas. Non ? Attends. Bizarre. Mais moi, j'arrive pas à savoir. On vient de tourner. Non, mais je pense que c'était un bug avec le vague. Il s'est pris. Ouais. Ok, c'est enfin, il tourne. Y'a pas d'autres navires, les gars, et le galion il a disparu? Ah non. Ouais, oui, ils ont déconnecté. Ah, fais chier. Non, serveur il m'a l'air pas mal, hein, vraiment. La suite de l'anecdote, on est à genoux. Vas-y. Oh, ok, et du coup, tu vois, genre j'arrive à la TwitchCon et j'ai les devs devant moi de ci aussi, tu vois. Et je leur dis bonjour et tout, je suis le clear, et là, je stream au jeu, ils me font ouais, on vous connaît. Et tu vois, du coup, ils savent que. Parce que dans le jeu, ils arrivent pas à se positionner. Ils veulent pas nous soutenir, nous les gens qui font du PVP. Oh putain, ils s'est arrêté. Et ils veulent pas non plus soutenir les. Tu sais, ils arrivent pas à prendre une position. T'as une guerre en fait dans le jeu entre les PVE boys et les PVP boys, tu vois. Genre les gens qui viennent voler des coffres versus les gens qui. Qui farm. Qui farm, ouais. Et du coup, tu sais, c'est vraiment deux côtés assez opposés. Et donc, je leur dis, ouais. Il y en a ras le cul en fait de chercher des bateaux tout le temps en fait. Genre tous vos serveurs sont vides. Et le mec me dit, je peux te filer les stats en DM Twitter. Tous les serveurs sont remplis. Et genre c'était incroyable mec. Je te jure c'est incroyable. Quand tu joues au jeu tu n'y crois pas parce que tu fais que de relancer en fait à chaque fois. Ouais. Et c'était infernal. Et du coup j'ai du mal à y croire jusqu'à maintenant hein. J'ai jamais demandé le truc sur Twitter parce que honnêtement pour moi il a menti moi c'est tout. Vas-y, vous êtes prêts? Canon? Là, ici, là? Vas-y. Ah, il est sur l'île, il est en train de frapper. Il est solo, je crois. C'est tout. Eh, désolé, les gars, vous attendez quoi? Que je me tape avec le dev? Ah, ouais, après, il avait pas à dire qu'il a fait un combat contre le mec, non plus. Ouais, je me suis battu. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai que vu qu'il y a eu une attente et tout, moi aussi je suis un peu déçu. Ouais, bah il y a eu une pause, les gars. Je suis désolé. Ouais, c'est la pause, elle a fait mal. La pause. Ok, il fait une pauvre quête, les gars. On est vraiment sur des. Ok, vas-y. Ouh là là, magnifique. Magnifique. Il est où? Il est sur l'île encore. Enfin, l'île. C'est pas comme ça que fait un zizi. Wesh, c'est normal que t'aies jamais fait ban, toi. Bah, écoute, mec. Ah, ils se battent contre des squelettes là. Ils sont bizarres? Ouais, ils sont deux, je crois. Ok, mets-toi au canon, Bibi. Mets-toi au canon. T'sais, cache-toi au canon. Non. Non, cache-toi au canon, là, comme je t'ai appris, t'sais, là. Cache-toi à gauche, ici, là. Ici, là. Ah merde, désolé, ouais. Ok, moi je suis sur leur bateau. Je refais le PNJ. Oh là, je l'ai mieux fait, là, non? Je refais le PNJ, les gars, ou pas? Attends un peu de voir. Ok. Attends, je me cache. Attends, elle est là. C'est une quête de merde. Ok. Tu comprends ce qu'il m'a vu, là? Je suis en train de monter une pile, là. Dis-moi s'il monte, Kamel. Bibi, dis-moi s'il monte. Là, ils montent dans le bateau. Là, ils sont montés là. Ok, mais s'ils montent en haut. En haut du Nidpi. Je suis en haut. Ah non, personne. Non. Ok. Si ça monte, faut me dire. Il a sorti son gun et. Il te check en fait. Il regarde ouais, il te check. Il sait que t'es là. T'as vu. Ouais, il sait que t'es là. Il veut te tuer là. Faut que tu fasses le PNJ, mec. Ok. Déjà lui il a l'air de cliquer par rapport aux autres. Dis-moi si ça monte. Bah là il monte. Il va monter. Attends. Là, il monte. I wonder what you can find in the sea of thieves. Il s'est arrêté. Et là il est redescendu. Il est redescendu. Moi j'ai changé. Ouais, là il cherche quoi le bordel. Mais monte, vas-y. Envoie un check your map. Welcome to the Sea of Thieves challenge. To find your way through in a treasure you've never seen before. Check your map.
Ça rentre trop bien, ça rentre trop trop bien. Il monte. I wonder what Catherine finds in the Sea of Thieves.